Mesdames, Messieurs, rebonjour. Deuxième partie de cet hommage à Yambo Wologem, et pas seulement à lui, à la littérature massacrée. Deuxième épisode d'un voyage à partir du devoir de violence au devoir de la littérature. Nous aurons donc, par ordre d'apparition, et vous me direz, chers invités, si cet ordre correspond bien à ce que nous avons établi et qui vous a été communiqué premier dans cette redistribution des savoirs et diffusion des repères. Il y en aura, j'espère, beaucoup, et qu'on aura du grain à moudre. Le premier remouleur, Jean-Pierre Robin, de son nom, romancier universitaire, et surtout grand curieux, qui vient d'accoler à des tâches déjà nombreuses, pas qui vient, mais qui a accolé à des tâches déjà nombreuses, celle d'éditeur. Et sa collection Pulsation, aux éditions Vandayeur, étoffe son catalogue, et il vient de publier un livre d'un autre monument, Ngugi wa Thiong'o, qui vient de sortir, Rêver en temps de guerre. Donc Jean-Pierre, tu as déjà été présenté ce matin par Dr Abia Marouche de fort belle manière. Je ne voudrais pas refaire ce qui a été si bien fait. Alors si tu es prêt, la parole est à toi. Je sais combien Yambo a été admirablement défendu par un avocat exceptionnel. Merci beaucoup par avance pour ta communication. Bonjour. Avant tout autre mot, permettez-moi de remercier le Royaume du Maroc et Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour le lancement de cette nouvelle chaire de littérature et d'art africain ici à Rabat, sur le sol même de l'Afrique. Et puisque le pluriel est utilisé pour les mots littérature et art dans l'intitulé de la chaire, je me permets de l'appliquer aussi au nom Afrique. Je dis donc de m'inviter sur le sol des Afriques. Je remercie aussi les maîtres d'œuvre parmi d'autres collaborateurs, contributeurs à ces journées, et donc maître d'œuvre de la chaire, Rabia Marouche, et l'ami Eugène Ebaudet, grand promeneur, comme vous avez pu le voir plusieurs fois, chargé de livres et de textes devant l'Éternel, et complice tant dans l'écriture que dans la défense des écrivains, en particulier puisque c'est la mémoire toujours vivante et toujours brûlante qui nous rassemble aujourd'hui, je veux dire la mémoire de Yambo Wologem. À qui Yambo Wologem, je demande pardon pour plusieurs choses de mon passé, notamment d'avoir publié, comme le disait Pierre Astier, d'avoir publié sans son consentement officiel, réédité les Mille et une Bibles du sexe sous son nom propre et non plus sur son pseudonyme, et d'avoir fait rééditer Le devoir de violence en 2018 au Seuil, ce qui me paraissait la chose indispensable à faire. Je demande donc Yambo Wologem pardon pour ceci, mais aussi parce que je ne parlerai pas directement de lui aujourd'hui, car il me semble que beaucoup sera encore dit, toujours aujourd'hui, et il me semble que j'ai consigné tout ce que j'avais trouvé sur lui dans un opuscule qui est accessible
par tous, à tous, librement en ligne. Je pense que j'ai demandé que si on pouvait mettre l'image du lien, comme ça vous aurez toute liberté de noter le lien qui est celui-là. Voilà, c'est libre, en libre accès, et c'est l'histoire du devoir de violence à partir des archives du Seuil que le Seuil m'a permis de consulter et de publier en partie, en tout cas, pour l'essentiel. Et il n'y avait pas eu de censure. Il y a eu des réserves jusqu'à la dernière minute, mais il n'y a pas eu de censure et je les en remercie. Voilà. Donc, je pensais que je n'avais rien de nouveau, de particulièrement nouveau à ajouter à cela. Et donc, ces mots de respect, d'amitié et d'excuses prononcées, je voudrais passer à celui plus équivoque et plus périlleux de, j'ouvre les guillemets, passeur, je ferme les guillemets, qui est dans le titre de ma communication de ce jour. Mais puisque c'est sous le regard proche et lointain à la fois, provocateur et même souvent imprécateur de Yambo, que nous parlons, j'aimerais assumer cet équivoque du mot, les doubles et les multiples sens du mot, entre guillemets, passeur. Nous sommes dans un pays qui fait face à l'Europe et d'où, comme dans d'autres pays, passe ou tente de passer chaque jour d'une rive à l'autre ce qu'on appelle des migrants. Ceci au péril de leur vie, pour donner à cette vie un sens et un prolongement, parfois une survie d'ailleurs. Je parle là des migrants, mais je pourrais parler, dans le même temps et avec les mêmes mots, des écrivains, des poètes, des artistes de tout temps, nés quelque part et partis, sans autre ressource que la force de leur désir, et sans autre carburant que l'espoir de se faire accepter par les autres, par le monde, qui se jette à corps perdu à l'eau sur des embarcations fragiles, brinque-ballantes, incertaines, que sont leurs œuvres en cours, leurs works in progress, comme on dit en anglais, souvent trouées, en constant processus de stabilisation et de renforcement. Oui, des barques bien faibles pour des traversées difficiles. Il y a donc, d'une part, les migrants, et il y a d'autre part, les passeurs. Le mot « passeur » connaît et a connu plusieurs acceptions. Je mets de côté, vous comprendrez pourquoi, le sens qu'il a au football. On a un spécialiste du football, là, je le salue. Ce mot « passeur » au football, je le mets de côté. Le passeur ou la passeuse, mais le mot est peu usité, dont je parle, est davantage du côté du marinier qui avait ou a encore dans certaines régions le rôle, je cite le dictionnaire Robert, de, ouvrez les guillemets, faire franchir à des personnes un cours d'eau en l'absence de pont, fermez les guillemets, ou dans un autre sens, je cite, la personne qui fait passer clandestinement une frontière à quelqu'un ou quelque chose. Je ferme les guillemets. Dans le cas si souvent à la lune des médias de nos jours, le cas des passeurs qui font passer la Méditerranée ou plus au nord la Manche à des migrants, et je me concentre là sur des espaces maritimes, dans ce cas-là, les deux acceptions, à savoir faire passer un cours d'eau ou un espace maritime à des gens, et en même temps faire passer une frontière clandestinement, eh bien, ce mot et ces deux acceptions s'appliquent très bien, je trouve, aux migrants et aux passeurs dont je veux parler aujourd'hui. En effet, qu'en est-il dans ce domaine qui nous, et en tout cas moi, m'intéresse ici? Eh bien, donc, que ça a été longtemps la même chose pour les écrivains. La double acception de marinier jouant les ponts et d'intermédiaire pour passagers clandestins pourrait, comme je l'ai dit, s'appliquer aux personnes qui, depuis, disons,
le début du XXe siècle et plus précisément ou plus intensivement depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont joué auprès des écrivaines et écrivains subsahariens ou même d'Afrique du Nord un rôle de passeur entre le continent africain et des centres d'édition et de reconnaissance, car l'un sans l'autre ne garantit pas à l'écrivain un statut et un lectorat. J'utilise d'ailleurs à escient le mot de reconnaissance et non de réception, qui ne suffit pas. Je précise que je parle de littérature francophone. Les conditions de la littérature anglophone étaient et sont très différentes, bien plus décentralisées, comme l'a montré James Curry dans Africa Rides Back, traduit sous le titre « Quand l'Afrique réplique à l'Harmattan », pour la célèbre collection African Writers d'Heinemann, avec des bureaux d'édition et de diffusion au Kenya et au Nigeria, et des éditeurs découvreurs sur place, pas moins prestigieux, par exemple, que Chinua Achebe. Alors je dis aussi qu'il a bien sûr existé, assez tôt, après les indépendances, des maisons d'édition africaines sur le sol africain. En traversant les âges, j'en citerai deux, Silex de Paul Dakeyo à, tout récemment, Jimsan au Sénégal, dont nous reparlerons. Mais ces maisons africaines, subsahariennes, ont été longtemps, avant que naissent plus tard des maisons africaines totalement indépendantes, créées et tenues par des Européens, des Occidentaux ou sous leur tutelle. Cela a été notamment le cas des éditions missionnaires Saint-Paul au Congo-Zaïre ou Clé, les éditions au départ évangéliques installées au Cameroun. Les rives et les passages de l'une à l'autre n'étaient pas physiques dans ce cas-là, mais en quelque sorte idéologiques ou religieuses. On réservera aussi un statut particulier aux éditions NEA, nées en 72, basées à Dakar, qui deviendront en 1988 les éditions NEI et seront transférées à Abidjan, des éditions très productives, 224 titres en 16 ans, donc entre 72 et 88. Mais, toujours pour poursuivre le cheminement de ma pensée, pour montrer la difficulté de passer d'une rive à l'autre, et d'une rive africaine à une rive de reconnaissance par l'Europe et l'Occident. Cependant, donc, à propos de ces éditions, il faudrait y analyser le poids qu'avait à l'origine dans ces éditions NEA et NEI, le poids qu'avaient à l'origine les maisons européennes actionnaires. Et pour ce qui est de NEA, le rôle de commandeur, et il faut le dire, on est ici entre amis et on est dans la critique au sens propre du terme, d'une certaine manière, un rôle de commandeur calqué sur les canons européens de Léopold Sédar Senghor, qui avait créé et dirigé de loin ces éditions. De même, il faudrait, je pense, étudier le cas particulier de Présence africaine, maison qui, en Europe, de ses origines en 1949 jusqu'en 1990, pour prendre une période dont les chiffres sont connus, qui ont été publiés par Claire Ducournau dans son ouvrage « La fabrique des classiques africains », cette maison aura publié le plus de titres de littérature africaine en France, 164 titres pendant cette période de 1949 à 1990. Mais même là, Présence africaine, même dans le cas de Présence africaine, pour cette maison donc située en plein cœur de la capitale française, dans le cœur battant de l'édition, le 5e arrondissement germano-pratin, à quelques centaines de pas des grandes maisons françaises classiques,
les Gallimard, les Seuil, les Grasset s'appliquaient. Et s'applique aussi, encore, je pense, une bonne partie des critères qui définissent ce que Pascal Casanova a identifié dans son célèbre ouvrage « La République mondiale des lettres », dont parlera d'ailleurs Caillou, une république française des lettres, pas mondiale. C'est-à-dire le centralisme, un formalisme matériel, l'importance de l'objet livre, un certain classicisme formel des textes. En résumé, je maintiens pour cette communication, et il faudrait évidemment développer, affiner, argumenter bien plus ce que je ne peux faire ici dans le cadre de cet exposé, je maintiens les termes et le champ tout autant géographique que symbolique d'océan ou de mer à traverser, de passage d'une rive à l'autre, les maisons européennes, et d'une frontière symbolique aussi, mais réelle dans son idéologie, avec ses canons littéraires, culturels, sociaux, qui imposent, et donc, quand on impose, exclut aussi, c'est-à-dire les maisons européennes et une partie des anciennes, je parle bien des anciennes maisons africaines. Alors, quels ont été ces passeurs dont je veux parler entre une rive à l'autre, d'une rive à l'autre? Quels ont été d'une rive géographique à l'autre et de cette rive symbolique ou idéologique ou religieuse dans certains cas? Donc, quels ont été ces passeurs qui ont contribué à faire passer les frontières jusqu'au seuil? Sans jeu de mots, Sarah Bionowski l'a fait et le fera sans doute encore tout à l'heure, jusqu'au seuil de la publication, puis de la reconnaissance. Qui sont celles et ceux sans qui, intermédiaires, intercesseurs, go-between, pour employer un autre terme anglais, ambassadeurs aussi. Vous voyez que ce vocabulaire est multiple et chacun de ces mots dit quelque chose du processus. J'ai beaucoup pensé en préparant cet exposé aussi au mot « parrain », entre guillemets, ou « marraine », mais c'est beaucoup plus rare. Pour l'ambivalence du terme, sa bipolarisation entre positif et négatif. Un parrain, c'est quelqu'un de la famille, mais évidemment, c'est aussi quelqu'un, je le dirai encore, qui demande allégeance dans d'autres domaines que celui qui est purement familial. Donc, quels ont été ces ambassadeurs, ces ambassadrices qui ont donné aux écrivains pourtant lettrés leurs lettres de créance et leur ont permis d'obtenir leurs lettres de noblesse? En somme, car il s'agit de cela, qui, pour un nombre significatif, les a aidés à entrer dans l'aristocratie étroite et sélective des lettres reconnues, estampillées comme telles. D'entrer, pour employer une terminologie plus marxiste, dans la classe des lettrés, en suivant les canons d'un classicisme. Certes mouvant, évolutif d'une période à l'autre, certes tolérant les écarts à la marge, mais par essence fermée, c'est-à-dire déterminant les frontières de sa tolérance, les règles d'appartenance à cette classe et à ce classicisme. Quels ont été ces passeurs qui ont aidé les écrivains à passer d'une classe à l'autre, celle, la classe des inconnus, à la classe des reconnus, de devenir qui ont aidé ces écrivains à devenir, en somme, des transfuges de classe, pour employer un terme connu. Et on retrouve ici, dans ce terme, transfuge, tout le registre de l'errance, du voyage, du passage, d'un certain clair-obscur de la clandestinité et même de la culpabilité ressentie par certains de la fuite. Ceux ou ces sentiments
qu'exprimait récemment Mohamed Bougarsar lors d'un récent retour au Sénégal et qui est aussi présent d'ailleurs dans son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Le nombre de ces passeurs est multiple. La typologie est très diverse et le nuancier étendu tant sur le plan technique ou opérationnel que sur le plan, disons, moral. En quelque sorte, 50 nuances de gris, du blanc au noir, y compris dans le mélange des genres, puisqu'on y trouve même dans cette histoire des nègres blancs, nègres au sens anglais de ghostwriter, bien entendu, mais qui étaient blancs parce qu'ils étaient européens. Il va à ce catalogue un peu hétéroclite, que vous me pardonnerez ici de rétrécir, il va à ce catalogue des missionnaires qui jouent et qui jouaient à ce qu'ils sont, à savoir des bons pères. Et pour prendre un seul exemple qui demande, dans les années 30, qui demande à un Congolais, un certain Badibanga, de coucher sur papier des textes et de traduire les contes qu'il recueille dans les forêts tropicales du Congo belge, comme en quelque sorte Van Grain dans le récit d'Impateba. Donc jusqu'à produire en 1931 un recueil de contes dont personne à l'époque pensait qu'il était l'œuvre d'un noir. Autre catégorie, ce sont, dans une veine tout autant paternaliste mais laïque, les Belges, on est dans le même Congo belge que je connais, je vous dirai pourquoi, ces Belges qui instituent, après la Seconde Guerre mondiale, à travers la personne d'un passeur ou parrain emblématique pour l'époque, Gaston-Denis Perrier, ils instituent un concours de textes qui verra en 1948 l'émergence de ce qui deviendra un des classiques de la littérature congolaise des deux rives du Congo, Ngando de Paul Lomami Chibamba. Autre type, ce sont les très multiples préfaciers qui adoubent l'auteur ou l'autrice qu'ils introduisent ou présentent. De l'administrateur colonial de la vignette, c'est son nom, de la vignette, pour Osman Sossé Diop, son roman Karim en 1935, ou de Georges Hardy pour Paul Azoumé pour son roman Dogissimi en 1938, ça va de cela, à évidemment l'inévitable et iconique Jean-Paul Sartre, qui préface l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor en 1948, et plus tard, certes pas pour un écrivain africain, mais tout de même œuvrant sur le sol africain, l'antillais Frantz Fanon dans Les damnés de la terre. C'est aussi, ça peut aussi être, et ça a été, le passeur, ou peut-être le père, dans ce cas-ci P-A-I-R, aîné, déjà installé, lui, ou mieux placé dans le monde éditorial, comme, je vous cite quelques exemples, le Jamaïcain Claude Maquet pour le malgache Jean-Joseph Rabéa-Revel, Emmanuel Robles pour Kateb Yassine, pour tout de même faire sortir l'Afrique subsaharienne et faire une petite incursion au Maghreb, ou le français Jean Paulhan, qui fait entrer le mauricien Malcolm de Chazal chez Gallimard en le qualifiant ou en même l'adoubant du mot génie. Bon, avant même cependant que le même de Chazal, accueilli à bras ouverts chez les surréalistes français, s'envoie éjecté plus tard pour ses positions déistes. Ce phénomène d'accueil et de rejet est assez récurrent et on le verra pour Wolegem, car dans ces cas-ci, l'adoubement pour les marginaux, entre guillemets, ne se fait souvent qu'à certaines conditions et n'est jamais définitif. Autre type de passeur, ce sont les universitaires qui promeuvent leurs découvertes. Ainsi, le Québécois Georges-André Vachon, qui repêche un manuscrit d'un certain Amadou Kourouma,
refusé par le seuil, le fait retravailler au Québec, sur place, il l'invite, avant de le revendre au seuil pour un dollar symbolique. Et donc ce sera un autre classique, les soleils des indépendances. Autre exemple, type de passeur, plus délicat, ce sont les faussaires ou demi-faussaires. J'en cite un. Le journaliste d'extrême droite Robert Poulet, à nouveau je connais bien le parcours de Robert Poulet parce qu'il était belge. Donc, par cet exemple, je cite des nègres blancs, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui réécrivent L'enfant noir de Karmar Alai et fabriquent un second roman sous son nom à lui, Le regard du roi. Cela a été reconnu par Karmar Alai, cela a été démontré et ça n'exclut aucune qualité du personnage ni aucune qualité de la littérature africaine. C'est un exemple. Un exemple à la fois heureux et malheureux, Mango Betty avait reconnu de suite, lors de la publication de L'Enfant Noir, l'exotisme facile qui était la patte manifeste d'un blanc, d'un européen, d'un français, appelons-les comme on veut. Alors, il y en a encore d'autres de catégories et on pourrait les multiplier, mais ce sont aussi les journalistes et critiques qui, en amont de l'édition, encouragent les écrivains, comme Françoise Ligier de RFI pour Sonny Laboutancy, rôle très important. Ce sont aussi les acteurs culturels tels que, j'en cite un aussi, Gabriel Odizio, responsable du service d'information au sein de l'Office algérien d'action économique et touristique, l'OFALAC, qui fait, pour le coup, littéralement passer Kateb Yassine, de nouveau lui, parce que j'en avais parlé plus tôt, en France, et il finance en partie son séjour. On a des lettres de Kateb Yassine qui demandent à Odizio de le financer parce qu'il arrive sans un rond à Paris. Où c'est le libraire Charlot à Alger, qui est aussi éditeur et qui publie Camus, Robles et de jeunes écrivains algériens non français comme Camus et Robles. Et j'arrête ici la liste qui pourrait s'étendre considérablement et devrait intégrer, bien sûr, aujourd'hui et depuis un certain temps, des agents littéraires comme Pierre Astier que vous avez entendu ce matin. Je m'arrête là car, avec Charlot à Alger, qui est aussi, à Charlot à Alger, nous nous trouvons au porte des éditeurs. Et je ne veux pas y entrer ici aujourd'hui. Je l'ai fait à d'autres occasions. Je ne veux pas y entrer car s'ouvre là, à mes yeux, un autre monde et se définissent d'autres rôles. Tandis que je veux parler ici de passeur, je considère que l'éditeur est, pour le distinguer du passeur, et même si les rôles souvent s'entremêlent, davantage un porteur qu'un passeur de l'œuvre. Ou devrait l'être, en tout cas. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, tout cela, ce phénomène de passage de passeur, ces rôles de passeur, cela existe et s'applique à d'autres littératures que les littératures africaines, à d'autres aires culturelles et géographiques, à l'intérieur même de l'hexagone français. L'écrivain français, franco-français, comme on dit, sauf à être né dans le milieu éditorial ou critique, et encore parisien à pure souche, n'entre pas ainsi dans les mains, dans les poches, dans une maison d'édition parisienne. Et longtemps, le provincial français, a fortiori le régional qui revendiquait son identité régionale, donc marginale, a eu difficilement droit de citer dans le centre de la République mondiale, acceptons le mot, des lettres. Et dans ce domaine, dans ce qu'on appelle la francophonie non africaine, européenne même, pour être belge d'origine, je connais bien, et Karine Ferreira le sait aussi, je connais bien la coupure qui a longtemps existé, moins nettement aujourd'hui, entre Bruxelles ou Liège et Paris,
alors que la distance y est moins grande qu'entre Paris et Lyon. Donc vous auriez tout à fait raison de me dire cela. Et pourtant, je postule que ce n'est pas tout à fait vrai, si je peux me permettre, ce que vous me diriez, que vous n'avez pas dit. Mais que vous... Voilà. Et même pour beaucoup, pas vrai. Cela a été dit et redit, je pourrais le redire moi aussi ici, que ce n'est pas tout à fait vrai. Cependant, je voudrais arriver à ce point, me pencher sur les motivations de ces différents passeurs et sur les différentes raisons qui les ont poussés à faire cela. Cela nous permettra, vous verrez, de voir la spécificité du phénomène de passage ou de parrainage des auteurs africains. Comme il n'existe pas de philanthropie pure, on le sait même si c'est difficile à reconnaître, qu'il n'existe pas de bénévolat sans intérêt, même inconscient, qu'il n'existe pas de don sans contrepartie, je pense... Et j'avance que c'est chacun des actes de passage ou de parrainage dont je parlais, s'est effectué pour une ou plusieurs raisons qui sont à chaque fois à définir, autant, si pas plus du côté du parrain ou du passeur, que du côté du passager ou du filleul. Autant, pour être aimable ou pour compenser un manque, satisfaire un intérêt ou pacifier une conscience. C'est là que, sans aller vers des excès d'interprétation, se révèle l'ambivalence du mot passeur ou parrain. Le passeur qui conduit un migrant d'une rive à l'autre ou le fait traverser une frontière clandestinement ne le fait pas par pure générosité. Le passage a un prix, parfois ignoré par le passager et même parfois par le passeur. Quant au parrain, on sait que le parrain, et on voit de quel parrain je vais parler, dans la mafia par exemple, protège autant qu'il domine et impose ses règles. La protection a un coût et implique une certaine allégeance. Alors quelles sont ces raisons, ces motivations? Pour le colon, je reprends la liste, pour le colon, instituer un prix littéraire sous la colonie et mettre sur un podium un colonisé était une façon paradoxale de montrer que c'est lui qui institue, c'est lui qui possède le podium et c'est lui qui décide qui y montera en se dédouanant sous l'apparence d'une reconnaissance, en se dédouanant de sa propre domination. Pour le missionnaire, révéler un fidèle doué, c'est le sauver une deuxième fois en confirmant que les clés du salut comme de l'Église sont bien dans les mains du Père Salvateur, incontournable intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le préfacier, quant à lui, il sait bien, sans l'avouer, qu'en écrivant son avant-propos, c'est bien lui qui est avant, avant le propos. L'universitaire, et j'en suis, donc je me permets de le dire, qui aide à publier un romancier ou un dramaturge, il trouve à la fois la justification de ses longues années de travail où il assure un rôle, pour rendre les termes universitaires, secondaire au sens propre, puisque l'œuvre primaire est celle de l'artiste et devient, lui, l'universitaire, soudain le co-créateur ou co-producteur de l'œuvre. L'anticolonialiste, à la mode de Sartre, s'offre, avec Lumumba, dont il préface longuement, dans une préface remarquable d'ailleurs, intéressante, quand il s'offre avec Lumumba ou avec Fanon, un porteur de sa propre parole, et se paye, grâce à eux, une attaque de l'Occident, qu'il est A-H-A-I-T et E-S-T dans le même temps, en un exercice d'autoflagellation aussi complexe que parfois retors. De la même façon, l'antiraciste qui se porte au devant du racisé, pour employer le terme contemporain, contemple et dénonce sa propre race à partir du point de vue purifiant
de ce dernier, du racisé. Je citerai à ce propos Michel Léris, l'auteur de L'Afrique fantôme et ami, grand ami de Césaire, qui dans son journal, avec honnêteté, et c'est rare, s'interroge à l'époque sur les raisons illégitimes de son antiracisme, qu'il attribue, dit-il, à une condescendance un peu louche quand on est, j'ouvre les guillemets, assez sûr du rang élevé qu'on occupe dans la hiérarchie pour qu'on puisse tout se permettre sans jamais qu'il y ait risque de se déclasser. Je ferme les guillemets. Quant aux agents littéraires ou autres dont j'ai parlé, la transaction a au moins le mérite d'être claire et contractuelle. À ce titre, elle est donc légitime tant que les termes sont équilibrés et les règles respectées. Mais de la même manière que charité bien ordonnée commence par soi-même, toute flagellation, Sartre l'a compris et en a joué dans les mots, devrait avoir pour premier sujet son propre être. Je vais donc en quelques mots assumer cet exercice qui dira peut-être mieux que tout exemple extérieur l'ambivalence du rôle de passeur. Je me suis longtemps interrogé sur les raisons de mon engagement pour la littérature africaine. Je rétrécis. Bien sûr, j'ai passé mon enfance et des moments de mon adolescence au Congo, belge puis indépendant, et mon père y a vécu plus de 30 ans et j'y l'ai retrouvé plusieurs fois. J'ai donc longtemps cru que les Congolais, et par extension les Africains subsahariens, étaient mes frères de lait et de sol, à défaut d'être de sang et de peau. Sauf que les frères n'étaient évidemment pas égaux, ils n'étaient pas égaux à moi-même. Que le sol ne pouvait être le mien et que le lait était du temps de la colonie, produit par le colonisé et vendu autant qu'acheté par le colonisateur. Très tôt donc, en même temps que le sentiment d'appartenir à une même fratrie est venu chez moi, le sens de la culpabilité, ou disons plus précisément d'une dette à l'égard de l'ancien colonisé et du contemporain néocolonisé. D'autant plus que, trouble dans mon positionnement, j'étais l'enfant de colons anticolonialistes. L'oumombisme de la première heure, sciant donc la branche sur laquelle ils étaient perchés, et que j'ajoute, excusez-moi d'être personnel, mais ça explique, j'étais le fils d'une femme qui, immigrée italienne en Belgique, savait ce qu'était la domination, le mépris occasionnel et la compromission presque inévitable qui consistait à n'obtenir à l'époque la naturalisation qu'en se soumettant aux lois du mariage. Il me faut donc dire que j'ai longtemps travaillé sur des auteurs qui Yambo Wolegem, si j'ai été chercher pour leur donner, j'espérais, une place légitime à des écrivains comme le Congolais Polomami Chibamba, l'Ivoirien Noël Ebony ou tout récemment le Kenyan Ngugi Wa Thiong'o, cela a été pour retrouver en quelque sorte le jardin d'enfants, l'Éden du premier âge, où vivaient mes anciens frères de sol, et dont j'avais été, même de manière consentante et acceptée, exclu du fait des indépendances. Je parle de l'Éden, mon Éden. Ce fut aussi, et c'est tout aussi clair dans mon esprit, pour payer une dette qui ne sera jamais totalement remboursée. Pour preuve, malgré mes essais répétés de me détacher de l'Afrique, je suis à nouveau ici pour le lancement de cette chaire de littérature et d'art africain, tel un vieux chanteur qui ne veut pas quitter la scène et ne cesse d'y faire ses adieux. Je terminerai en dessinant à partir de deux auteurs emblématiques, on est presque à la fin, Gênes, qui m'ont tous les deux fasciné et me fascineront encore longtemps. Je dessinerai un fil qui constituera, si vous voulez bien, une boucle. Je veux parler d'abord de Yambo Wolegem. Wolegem, en France, n'avait pas besoin de passeur. Il en avait eu, si je comprends bien, et Imbibé me l'a confirmé, il avait eu au Mali même, des parrains, sa situation sociale, en quelque sorte, était aussi un passeport. Le père de Yambo était inspecteur d'école, c'est-à-dire, aujourd'hui, on dirait un inspecteur d'académie sur toute la région de Mopti. Il connaissait les circuits et le jeune Yambo savait où atterrir sur le continent européen. Il s'est glissé sans difficulté, comme le magicien qu'il était, l'homme de sa propre représentation, dans les habits des jeunes Français qui suivent la filière d'élite, cours préparatoire à Henri IV,
École normale supérieure, agrégation seulement interrompue par les événements de 68. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin de parrain pour se présenter à une maison d'édition. Il envoie ses manuscrits au seuil, se les voit refuser, mais finalement sont acceptés et il obtient le prix Renaudot et est le premier Africain, on l'a dit, à le recevoir. Il est accueilli par le milieu littéraire, avec une réticence cachée sans doute, mais accueilli quand même, et fréquente la bourgeoisie pompidolienne jusque dans ses excès, ce qu'il évoque dans les mille et une bibles du sexe, avant d'être éjecté. Lui, Walleghem, qui pensait être installé sur la rive, et même dans l'interland français et européen, est renvoyé ou repart de lui-même, penaud et peiné, sur sa première rive, celle qu'il a quittée, rêvant d'un adieu, d'un ailleurs, qu'il pensait faire sien. Et je termine, 50 ans plus tard, un jeune Sénégalais, même âge, même talent, à peu près même origine sociale, s'installe en France et se penche sur le labyrinthe dans lequel était entré Yimbo Walleghem avant de s'y perdre et d'être mangé par le Minotaure. Ce jeune, c'est évidemment Mohamed Mbougarsar. Et son récit où erre le fantôme d'Eliman Walleghem, la plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt obtenu au même âge à peu près que Walleghem, en une première comme pour son aîné disparu. Ce roman, la plus secrète mémoire des hommes, tournant, je pense, historique et littéraire, on s'en rendra de plus en plus compte, a été coédité par un éditeur moyen, en taille, et pas par un de ces temples qu'on doit révérer avant d'y entrer, Philippe Rey. Et par un éditeur sénégalais, Jinsan, dont le cofondateur Felwine Sarr porte le même nom que lui, mais ils ne sont pas de la même famille, mais ils ont malgré tout un nom commun. Le parrain est du même sol et du même peuple que le filleul. C'est lui, Mbougarsar l'a raconté, qui présente le jeune romancier à Philippe Rey, c'est bien lui le passeur, et il n'est pas européen. Mieux, Mbougarsar le disait il y a quelques jours encore à l'École des hautes études en sciences sociales, Jimsan n'a pas pour ambition de publier des auteurs africains seuls, mais d'accueillir des non-africains aussi. Le passage d'une rive à l'autre se fera un jour dans l'autre sens. À tout le moins, les rives se regarderont un jour sans que l'une doive perdre la face au profit de l'autre. J'ai donc le plaisir de proclamer aujourd'hui l'inéluctable et nécessaire disparition des passeurs, passeurs amphibies et ambigus. En tout cas, j'ai le plaisir d'annoncer mon propre effacement. Je vous remercie et je suis donc sincère en le disant. Merci, cher Jean-Pierre. Tu annonces ton propre effacement. Moi, j'annonçais que tu étais un remouleur. Le remouleur, c'est celui qui affûte les armes. Et les armes que tu as affûtées sont celles de l'esprit pour opérer, pour pratiquer les saignées qui soignent. Après toi, this is Mr. Christopher. Dear Christopher, you've been so wise before doing something, before knocking at a door in Sévaré City. You became as me, very crazy. So I have to announce Mr. Christopher Crazy, isn't it? No. Voici Monsieur Christopher Wise, qui est devenu comme moi un frère en douleur. Mais il va nous dire comment il a rencontré Yimbo Walleghem. Christopher Wise vient des États-Unis, une autre rive, n'est-ce pas, cher Jean-Pierre? Une autre rive pour accomplir une itinérance. C'est un terme que je cherchais, cher professeur Assia. Je l'ai retrouvé, itinérance. Une itinérance précisément pour passer d'une rive à une autre, d'un continent à un autre,
d'une douleur, je le disais tout à l'heure, à une autre. Alors, le discours du professeur Wise soulignera ici les influences nord-ouest africaines sur un grand auteur, notamment sur son grand roman, Le Devoir de violence. Il soulignera les mésententes, les mécomptes, les désaccords probablement dans le Mali, entre le Mali, le Sénégal, voire même le Maroc. Dans le contexte de la création de la chaire de littérature et des arts africains à l'Académie du Royaume du Maroc, il est nécessaire de souligner ses influences, car de nombreux lecteurs occidentaux de Wologem ignorent que l'Afrique du Nord-Ouest a sa propre littérature, a son propre panthéon. Il est riche et il remonte à des siècles et des siècles. Et Christopher Wise est le conteur de cette histoire-là. This is your time. Green, okay, good. Yeah, so I'm going to read my paper in French, but I want to, I don't know if my translator is here. I had somebody translate my paper for me. So I do translations myself, and so it's always important to honor and remember the translator who works so hard to present works for us. And so in any case, I don't know who translated this, but they did a very fine job. Okay. Au cœur d'un voyage récent dans l'ancienne Médina de Fès, j'ai visité le Zahouia de Sidi Ahmed El Tidjani, un grand centre religieux qui comprend une mosquée et le tombeau d'El Tidjani. De nombreux musulmans de la Tidjani humérienne d'Afrique de l'Ouest viennent régulièrement sur le site pour prier auprès de la tombe d'Ahmed El Tidjani, avant qu'il ne ferme définitivement à cause de la crise de la COVID-19, l'hôtel Tombouctou était leur lieu de séjour préféré, car il leur rappelait Ahmed Bamba, un savant de la dynastie Songhai, qui avait résidé à Fès et qui avait dénoncé l'association des Africains noirs avec les esclaves. Le hasard a voulu que je visite la mosquée un jour où elle était remplie de voyageurs en provenance de Mali, de Guinée, du Sénégal, de Congo-Brazzaville, etc. Le bonheur, voire le ravissement que je lisais sur leur visage faisait plaisir à voir. Je suis entré en conversation avec un peul de Sénégal qui était un Tidjani humérien. Il avait obtenu un emploi de vendeur de vêtements près de la Zahouia pour être à proximité du tombeau d'Ahmed El Tidjani. Quand je lui ai dit que je me rendais souvent à Alloa, dans le nord du Sénégal, lieu de naissance de Hadji Omar, son regard s'est illuminé. Il m'a avoué qu'il avait, de cela quelques années, il avait vu Hadji Omar à Dakar. En fait, il a aidé le cheikh à monter dans un taxi. Si le récit de mon nouvel ami était vrai, l'homme qu'il avait aidé à monter dans le taxi avait 224 ans. Étant donné que El Hadji Omar est né en 1798. Pour de nombreux Tidjani humériens de l'Afrique de l'Ouest, El Hadji Omar aurait disparu sans avoir connu la mort en 1864, ce qui correspond à 158 ans. La première fois où j'ai entendu quelqu'un faire une telle affirmation, ce fut au milieu des années 1990, lorsque j'ai discuté avec Yambo Wallagam dans sa maison de Sefere au Mali. Wallagam, lui aussi, m'avait dit avoir régulièrement communiqué avec Jésus et le prophète Mohammed, qui lui apparaissait dans sa cour. Je connais peu le Tidjani humérien à l'époque et j'ai été stupéfait
par les propos de Wallagum. Quelques mois plus tard, je me suis rendu avec Montagar Tal, descendant direct de Hadj Omar à Digambaré, dans le pays d'Ogan, au centre du Mali. C'est un site de pèlerinage pour les Tidjani Umariens où est organisée une célébration annuelle de la vie de Hadj Omar, car c'est l'endroit où Tal aurait disparu sans avoir connu la mort. C'était le père de Montagar Tal, El Hadj Sekou Tal, un éducateur et savant burkinabé, qui me fit découvrir Wallagum. El Hadj Sekou Tal était le fils de Macky Tal, le petit-fils d'Agibou Tal et l'arrière-petit-fils d'El Hadj Omar. Agibou Tal a gouverné le Mali central pendant la période coloniale française depuis son tata à Bandiagara. Ma visite à Degembaré, après avoir rencontré Wallagum, a inauguré mes travaux de recherche sur le Tidjani Umarien. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai recueilli les témoignages de nombreuses autres personnes au Sahel qui m'ont dit avoir vu El Hadj Omar, qui leur est apparu dans des rêves et des visions. À Fès, le peuple Tidjani m'avait affirmé avoir vu El Hadj Omar à Dakar, un homme qui avait vécu à une autre époque, mais je savais maintenant que de telles affirmations n'avaient rien d'extraordinaire. Au moment où je me suis rendu chez Wallagum en 1997, ce dernier était considéré par certains comme fou, y compris par des habitants de Sefaré où il vivait avec sa famille. Mais comme El Hadj Sekou Tal l'a fait remarquer et comme je l'avais constaté de mes propres yeux, il était clair que Wallagum n'était pas un fou. En revanche, je n'ai jamais entendu quelqu'un affirmer qu'il avait des conversations régulières avec les morts. Au cours des années qui ont suivi, la plupart de mes investigations sur le Tidjani Umarien se sont orientées vers la région de Podor au Sénégal, en particulier à Loire, lieu de naissance d'El Hadj Omar, qui est désormais le site sur lequel est prévue la construction d'une immense zahouillé dédié à El Hadj Omar. À la fin du mois de mai, les Tidjani Umariens célébreront l'inauguration de cette nouvelle zahouillé. La célébration aura lieu au Congo-Brazzaville. Les gardiens d'Aloire au Sénégal sont Mamadou Tal et son fils Oumar Tal, qui sont aussi les ancêtres d'El Hadj Omar Tal, mais descendants d'une branche différente que celle d'El Hadj Sekou Tal et Montagar Tal. Quand j'ai rencontré Wallagum, il ne voulait pas être interviewé, ni par moi, ni par personne. Il était même connu pour jeter des pierres aux Français qui avaient essayé de le rencontrer. Mais j'étais venu à Sefaré avec El Hadj Sekou Tal, qui était à l'école maternelle avec Boukri Wallagum, le père de Yambo. Yambo Wallagum était aussi un fervent Tidjani et comme El Hadj Sekou Tal me le fait remarquer, il était fidèle à son saint, El Hadj Omar. Wallagum pouvait difficilement refuser d'échanger des salutations avec un héritier direct d'El Hadj Omar qui avait été initié dans la cohorte générationnelle de son père. Wallagum n'a accepté de me parler que par respect pour El Hadj Sekou Tal. Yambo Wallagum appartenait à la Tidjani comme beaucoup de Marocains, mais il était un Tidjani Umarien qui était aussi un homme noir africain. Le peuple qui me racontait à Fès qu'il avait aidé El Hadj Omar à monter dans un taxi et qui vendait des vêtements pour être près du tombeau d'Ahmed El Tidjani était un peuple tout couleur sénégalais, alors que Wallagum était un Dogon malien, mais ils étaient tous deux des Tidjani noirs africains fidèles à leur saint El Hadj Omar. Ils se différencient cependant sur un point. Wallagum était un homme noir sans ascendance arabe, alors que le peuple sénégalais que j'avais rencontré à Fès était un noir arabe. Comme le dit El Hadj Sekou Tal, les peuples sont un courant noir dans un pays d'eau blanche, un courant blanc dans un pays d'eau noire. Wallagum était un Tidjani de toujours,
mais c'était un Tijani Umayyad et un Dogon noir. Au moment où El-Hadj Omar a apporté les enseignements de l'ordre Tijani au centre Mali, où vivaient les Dogons, Tol avait déjà détruit le Karta et les Ségou, des royaumes ennemistes noirs. Les Dogons ont toujours été des ennemistes en rupture depuis longtemps avec le Mandé parce qu'ils avaient refusé de se convertir à l'islam. À la fin du 19e siècle, quelques Dogons se sont toutefois convertis à l'islam et ont collaboré activement avec les Tijani Umayyads, en particulier dans les années qui ont suivi la disparition du El-Hadj Omar. Les Dogons qui abandonneront leur pratique animiste pour devenir musulmans travailleront en étroite collaboration avec les pauvres Tijani Umayyads qui avaient migré vers la région depuis le fut de Toro et le fut de Jalon. Telle était la situation de la famille de Walagam. Les parents les plus proches de Walagam étaient des Dogons convertis à l'islam à la temps que El-Hadj Omar et ses talibs avaient pris le contrôle du centre du Mali, le pays Dogon y compris. Collaborer avec la famille et les talibs d'El-Hadj Omar signifiait aussi collaborer indirectement avec les Français. Cela était particulièrement vrai pour ceux qui avaient soutenu Agi Boutal et Macky Tall, le grand-père et le père d'El-Hadj Sékou Tall. Après avoir conquis le centre du Mali, les Français ont installé Agi Boutal et Macky Tall pour gouverner à leur place durant l'ère coloniale. En revanche, El-Hadj Omar était farouchement opposé à la domination coloniale française. Il avait introduit son mouvement au Mali, non seulement pour mener le djihad contre les ennemis noirs, mais aussi pour échapper à l'impérialisme français qu'il considérait comme une forme de simulé de christianisme. Walagum a eu accès à une éducation d'élite en Mali et en France parce qu'il avait grandi parmi l'élite Tijani Umayyad à Bandiagara, les ancêtres directs d'El-Hadj Omar. Comme le montrent plusieurs passages de Devoir de violence, Walagum connaissait bien l'animisme Dogon, mais il n'était pas animiste. C'était un Tijani et un disciple dévoué d'El-Hadj Omar. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les allusions à El-Hadj Omar et à son mouvement dans le Devoir de violence sont si elliptiques. Mais de telles allusions sont clairement présentes dans le texte, surtout dans le deuxième livre, L'Extase et l'Agonie. Dans l'un de ces passages particulièrement remarquables, un autre avatar du Saïf fait clairement allusion à El-Hadj Omar. Walagam écrit : Les guerriers bénis par Saïf, tendant son épée sur sa droite et ouvrant un chemin large comme une roue de village, se crut invulnérable. Le fureur peint sur le visage, il devait par milliers aller rejoindre de vieilles lunes. Walagum ajoute, et voilà pourquoi la nuit continue, plus blanche que le visage du jour. La description de Saïf, son épée à la main, qui promet à ses talibs une récompense éternelle, est rendue sur un ton caustique, voire sarcastique. Cependant, elle est pareille aux descriptions élogieuses de El-Hadj Omar dans la Qasida à Jamé Poulard de Mamadou Thiam, datant de la fin du 19e siècle, le vide d'El-Hadj Omar. Thiam était un fantassin de l'armée de Tall et un témoin de première main des événements qui sont déroulés pendant le djihad de Tall. Dans sa Qasida que Thiam a écrite dans les années qui ont suivi la disparition de Tall, et qui l'administrateur colonial Henry Gaddin a traduit en français en 1936, Thiam cite Tall qui déclarait à plusieurs reprises à ses talibs, juste avant qu'il entre en combat, « Vous allez facilement conquérir ce village et bientôt marcher dans ses roues, où vous vous retrouverez couché parmi les beautés aux yeux noirs du paradis. » Ces références méritent d'être notées car El-Hadj Omar n'était pas seulement un musulman Tijani,
Il était aussi un djihadiste acharné. L'épée à laquelle Wallagum fait allusion a été confisquée par les Français et n'a été rendue que récemment à l'Afrique de l'Ouest. Elle est aujourd'hui exposée au Musée des civilisations noires de Dakar avec les sandales de Hadj Omar et d'autres objets personnels. Les Tidjanais omariens croient que El Hadj Omar a reçu le droit unique de mener le djihad dans le pays des Noirs. Mohamed El Ghali, un talib de Ahmed El Tidjani, lui aura accordé ce droit lorsque Tal avait été initié au secret de l'ordre à la Mecque. Dans la vie d'El Hadj Omar, un manuscrit du 19e siècle qui se trouve dans le Zahouia Tidjani de Fès, et dont l'auteur est en partie El Hadj Omar, Tal affirme que le prophète Mohammed lui est apparu en rêve et a déclaré à trois reprises qu'il avait le droit de mener le djihad. Dans d'autres écrits umariens, Ahmed El Tidjani et Mohamed El Ghali sont également apparus à El Hadj Omar pour confirmer ce droit. Tout au long de la vie de Tal, Ahmed El Tidjani et Mohamed El Ghali lui étaient apparus à de nombreuses reprises, longtemps après le pèlerinage de Tal à la Mecque. La seule restriction au droit de djihad que Mohamed El Ghali lui avait imposé était qu'il ne devait pas fréquenter les rois. Tal a également appris de Mohamed El Ghali une science de la divination appelée istikhara, sur laquelle il se priait régulièrement avec un succès considérable dans la conduite de son djihad. Quelle que soit la légitimité du djihad de Hadj Omar, il a conduit en conflit direct avec les peuples de Messina de Hamdallah qui étaient des musulmans kadriens. Après avoir vaincu les ennemis de Bambara, de Karta et du Ségou, Tal se retrouvait mêlé à un conflit sectaire avec la Messina kadria de Hamdallah. Cette guerre a opposé des frères musulmans peuls. Elle a également dévasté la région. Le conflit a eu lieu dans le centre du Mali et dans le pays d'Ogan où Wallagum est né. Les Français n'ont pu prendre le contrôle du centre du Mali qu'à la suite de la guerre entre les peuls Kadria et les peuls Tidjaniens. Ils l'ont fait selon la logique colonialiste de diviser pour mieux conquérir. Après avoir vaincu les Messina Kadria de Hamdallah, El Hadj Omar a ordonné la décapitation du souverain de Messina, Amadou Amadou. Amadou Amadou était le fils du cheikh Sekou Amadou qui avait cherché à faire assassiner Tal durant les années où ce dernier avait vécu avec le sultan Mohamed Bello à Sokoto, aujourd'hui au nord du Nigeria, après son hajj à la Mecque. Cependant, Sekou Amadou est mort de vieillesse avant que Tal et ses talibs n'apportent le djihad au Mali. Dans le devoir de violence, les critiques cinglantes de Wallagum à l'endroit de Sekou Amadou peuvent être lues comme une salve d'arrière-garde dans le conflit historique de longue date entre Kadria et Tidjani dans la région. Wallagum parodie les modifications frauduleuses que Sekou Amadou a entreprises dans le Tariq El-Fattah, une chronique du XVIIe siècle sur la montée et la chute de la dynastie Songhai des Askia. C'est ce royaume d'Afrique de l'Ouest que le souverain de la dynastie saadienne Ahmed al-Mansur de Marrakech avait détruit lorsqu'ils avaient envoyé dans la région une armée de mercenaires composée de chrétiens renégats. Au début du XIXe siècle, le souverain Paul de Messina, Sekou Amadou, a confisqué tous les exemplaires connus de Tariq el-Fattah et en a modifié les premières pages pour faire croire qu'il était le dernier calife et Mahdi élu et que son destin avait été prédit à l'époque des Askia. Les copies falsifiées du Tariq el-Fattah comprennent même une lettre adressée à Sekou Amadou qui aurait été écrite au XVIe siècle par l'Askia Mohammed lors de son hajj à la Mecque. Le réformateur Paul Kadria Sekou Amadou, qui a vécu de 1775 à 1845, croyait apparemment
qu'il était le dernier calife élu dans la lignée du prophète Mohammed. C'est du moins ce que Sekou Amadou voulait faire croire à ses talibs de la quadrille. Les affirmations de Sekou Amadou sont férocement parodiées dans le devoir de violence. Ils sont l'une des sources d'inspiration des critiques que Wallagum dresse contre les abus d'appartenance à des lignes généalogiques mythiques de la région. Appartenance qui confère à un homme son statut de noble, lui permettant de dominer les nobles castes des Nyamakala, qui comprend les forgerons, les griots, les chasseurs, les tanneurs, les vanniers, vanniers d'Ogan, etc. Bien avant la guerre qui avait éclaté entre les peuples Kadria de Messina et les peuples Tijani Tukulair au milieu du XIXe siècle, les Dogons étaient hostiles à Sekou Amadou et ses talibs. Sekou Amadou avait mené son propre jihad contre les animistes de la région. Il exigeait d'eux fidélité et paiement d'impôts. C'est la principale raison pour laquelle les Dogons, animistes et musulmans confondus, ont porté secours sans hésiter à El Hadj Omar lorsque les peuples de Messina ont encerclé celui-ci et ses filles à Degenbakhi lors de la disparition de Tal dans le pays d'Ogan. Wallagum est généralement discret lorsqu'il s'agit d'El Hadj Omar, alors qu'il perfidie impitoyablement Sekou Amadou. Cela ne signifie pas que Wallagum n'ait pas reconnu les terribles ravages que Tal et son mouvement ont causés dans la région. Dans une entrevue publiée peu de temps après la sortie du devoir de violence, Wallagum avait déclaré de toute franchise qu'il lui avait beaucoup de courage pour écrire ce roman, pour parler des oppresseurs de la région qui étaient membres de sa propre famille. Même si El Hadj Omar n'est pas désigné par son nom dans le devoir de violence, le roman de Wallagum est une condamnation claire de la violence et de la souffrance que le mouvement de Tal avait déclenché. La réaction créative de Wallagum aux événements historiques du milieu et de la fin du 19e siècle entre en résonance avec d'autres réactions à ce même mouvement de Tal dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au lendemain du jihad d'El Hadj Omar et sa guerre sectaire contre la Messina Kadria, les grands esprits de Bandiagara au Mali, où Wallagum est né, comme Tierno Bukir Tall, Amadou Ampateba et El Hadj Sekou Tall, ont été des champions de tolérance, de non-violence et de coexistence pacifique dans les décennies qui ont suivi. Au Sénégal, la terre natale de Tall, Malak Sy et Ibrahim Niass ont orienté le mouvement Tidjani dans une direction pacifique et non-violente. Et Amadou Bamba a fondé le Mouhadia, une confrérie soufie qui rejette les interprétations littérales des passages du Coran où est évoqué le jihad comme le surat de la vache et les passages du Coran 1.11 et 1.12. Après la conquête de Messina et l'installation de son fils Amadou Tal comme souverain, Tal projet de mener son jihad sur les terres des Massi, dont la capitale était Ouagadougou. En revanche, l'héritier direct de Tal, El Hadj Sekou Tal, qui vécut la plus grande partie de sa vie au Burkina Faso, fut un ardent défenseur des coutumes et des croyances animistes massi pré-islamiques. Dans une conférence qu'il a donnée à l'université de Ouagadougou en 1995, Tal a publiquement défendu le poète et avocat massi Tetinga Passeré, dont les opinions animistes sur la bindrologie où les tambours parlants ont été sévèrement critiqués. El Hadj Sekou Tall a constamment défendu les pratiques animistes massi et Paul dans le contexte des dénigrements colonialistes français de la culture africaine traditionnelle. Dans le devoir de violence, Wallagum plaide en faveur de la négré ou de la populace noire ou, comme Fanon a dit, des damnés de la terre. Comme des parents, des Dogons démunis de Mali, les Négrés étaient des Africains noirs qui avaient payé le plus lourd tribut au jihad d'El Hadj Omar et à la guerre entre la Messina Kadria et les Tukulair Tidjani. Bien évidemment,
Wallagum était un brillant romancier et un maître de la littérature de langue française. Mais Wallagum était aussi un homme profondément compatissant qui était de sorte des Africains noirs qui n'avaient pas bénéficié, comme lui, de privilèges culturels et d'opportunités éducatives uniques. Dans la littérature humaine, les peuples de couleur se réfèrent aux Africains noirs qui ont vécu dans le centre du Mali pendant plusieurs siècles avant la migration des peuples de couleur dans la région en tant qu'Abe, un groupe ou rassemblement d'animistes comprenant les Dogons, les Soko, les Bozo, les Massi et d'autres groupes noirs indigènes. En rendant hommage à Wallagum aujourd'hui, dans l'Académie du Royaume du Maroc qui a créé une chaire de littérature et des arts africains à Rabat, nous saluons Wallagum comme un grand écrivain africain. En effet, Wallagum était un virtuose de la littérature qui continue d'éblouir les nouvelles générations de lecteurs à travers le monde. Mais à l'instar de l'humble Ampoule sénégalais que j'ai récemment rencontré devant le tombeau d'Ahmed El Tidjani, Wallagum était aussi un homme africain noir et un Tidjani humarien. En honorant Wallagum aujourd'hui, nous rendons hommage aux réalisations littéraires, mais aussi les souffrances historiques de tous les Noirs africains. Merci. I hope my accent wasn't too bad. Thank you very much, Christopher. Merci beaucoup, cher professeur. Vous qui êtes quelqu'un qui est aussi un passeur. Et nous étions dans le jardin d'enfants avec Jean-Pierre Orban. Là, nous sommes dans la longue histoire qui se déroule et que Yambo Ologem interprète pour les causes du roman. Et dans le roman, il sait bien dans quelle filiation il se place. Et c'est pour cela que j'ai indiqué ce matin qu'il était celui qui vend la mèche. C'est celui qui dit les choses qu'il connaît. Vous avez indiqué ses origines. Vous avez replacé le devoir de violence dans le cadre d'une histoire avec des empires, ceux du Massina, les empires Peuls du Massina, plus l'empire tout couleur qui s'établit à Bandiagara comme capitale et qui avait bien sûr les Mossi comme voisins et puis qui se poursuivait pas seulement au Sénégal où El Hadj Omar Tall était né, mais qui continuait jusqu'en Guinée. Et en Guinée, il y en a bien quelques-uns, je peux vous dire, qui écrivent le devoir de violence tous les jours. Et ils le remplacent même par le devoir de mémoire, parce qu'ils estiment, par exemple, que le sabre dont vous faites allusion, qui a été remis au musée des civilisations noires de Dakar, que ce sabre n'est pas à l'endroit qu'il convient. La capitale de l'empire tout couleur était à Bandiagara. Le sabre est à Dakar. Vous avez indiqué qu'il y avait des politiques, the same politics that happened yesterday, still. Et cette politique d'hier, qui consiste à diviser pour mieux régner, a remis un sabre qui aurait dû faire l'objet, de mon point de vue, d'un accord aussi de plusieurs pays africains, afin qu'il y ait cette notion d'itinérance que j'évoquais tout à l'heure et qui ne vaut pas que pour les hommes, qui peut valoir aussi pour les biens. Et c'est pour cela, et je vous remercie d'avoir indiqué que cette chaire était utile parce qu'elle contribue aussi à la distribution à la fois des savoirs historiques, mais aussi de ce qui est une porte d'ouverture aux autres et pas de clôture ou de fermeture. Merci beaucoup, Christopher, d'avoir apporté ces enseignements, ces renseignements très riches sur la confrérie des Tidjani, à laquelle Yambo Wologem s'adossait. Mais il sait, et vous l'avez dit, que les damnés de la terre sont les mêmes. Et que ces damnés de la terre qui avaient le malheur d'être noirs, ils n'étaient pas seulement ceux de la confrérie,
ils étaient tous ceux qui étaient modestes, qui n'avaient pas pu bénéficier de son éducation et qu'il convenait ici d'avoir à leur égard, à leur endroit, un devoir de réparation. Vous l'avez un peu fait, merci beaucoup pour ce devoir de restauration et de réparation. Je suis sûr que vos travaux qui vous ont mené à naviguer dans cette Afrique de l'Ouest contribueront par l'éclairage que vous avez eu avec Yambo Ologem, parce que vous avez été introduit par quelqu'un qu'il ne pouvait pas mettre à la porte, quelqu'un qui était adossé à l'histoire du clan, à l'histoire des rites d'enfance, à l'histoire des origines beaucoup plus lointaines que simplement un drapeau national ou un drapeau fraternel, mais qui était lié par autre chose. Et c'est cette chose qui a permis que vous puissiez, derrière ce personnage, accéder à Yambo Ologem. Et merci pour les écrits que vous avez publiés. Et j'espère qu'on pourra, avec les étudiants qui sont notre horizon, notre cible prioritaire, qui sont dans la salle, bénéficieront de vos éclairages pour continuer le combat de Yambo Ologem, le combat contre l'ignorance. Je dirais même contre les ignorances, tellement elles sont nombreuses, et on ne sait jamais par quel bout les déchirer. En tout cas, nous avons essayé, et on va continuer en disant que cette conversation, cette grande conversation, se poursuit avec Sarah Burnowski. Qui est Sarah Burnowski? Il se trouve qu'elle aussi, elle a failli rencontrer le monstre. Alors, je dis le monstre avec beaucoup de sympathie, parce que celui qui l'a rencontré, comme vous, comme moi, c'est, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, on le décrivait comme fou. Vous avez vu un homme comme tous les autres. Un homme extraordinaire. Eh oui, extraordinaire dans tous les sens du terme. Et je vous suis, je vous comprends. On n'a même pas besoin de donner des explications et des détails. He was. Sarah Burnowski est docteur en anthropologie sociale et en littérature française de l'université Ruprecht Karl de Heidelberg et de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle est professeure adjointe à l'université de Heidelberg. Elle enseigne les littératures francophones et latino-américaines au département de philosophie romane. Sa thèse, Les frontières racialisées de la littérature française, contrôle aux faciès et stratégie de passage, est publiée chez Honoré Champion. Lorsqu'en 1968, Yambo Ologem publie son premier roman, Le devoir de violence, aux éditions du Seuil, il ne s'agissait pas de son premier texte, ça nous l'avons dit. Ce que l'on a longtemps ignoré, c'est que d'autres avaient déjà été refusés auparavant. Ça, on l'a dit aussi, en tout cas, le Seuil en a beaucoup, Jean-Pierre les a recensés. À partir de fiches de lecture et de lettres conservées dans les archives du Seuil, Sarah a pu montrer que les textes du jeune Malien ont posé un véritable défi de classification littéraire à l'équipe éditoriale du Seuil. En suivant les traces gardées par les archives, elle estime qu'il est en effet possible d'y lire en creux les stratégies éditoriales de contrôle visant à africaniser à tout prix les textes de l'auteur. Jean-Pierre Orban a également indiqué cette thèse en nous faisant un grand résumé de certains auteurs, dont le grand Amadou Kourouma, sans vouloir le rabaisser ou rabaisser quiconque, simplement de faire une espèce de... d'études sur les textes, voire même sur la genèse, une forme de génétique. Ça, c'est un terme que nous connaissons très bien, n'est-ce pas, professeur Baïda, pour l'enseigner à nos étudiants, la génétique est capitale. D'où viennent les textes? Au fond, ce que Sarah Burnowski essaye donc de dire ici, c'est que la manière dont certains auteurs sont reçus est une manière d'abord racialisée, et que ce qu'on appelle la République française des lettres a ses rites, a même ses effets pervers,
et nous allons essayer d'en suivre ici l'illustration. À vous, le studio, comme on dit, pour quelques secondes d'hésitation. Non, pour la voix de Sarah Burnowski, quand vous voulez. Parce que Sarah n'est pas dans la salle, bien sûr, et que son message a été enregistré. Et j'espère que la technique voudra bien nous envoyer Sarah. Non, on n'a pas enregistré Sarah? Ah bon. Elle est en ligne ou enregistrée? Elle est enregistrée, me dit. Dans une minute. Donc je vais essayer de remplir. Alors qu'est-ce que je peux vous chanter comme ça? Christopher, oui, Christopher. I have a question for you. All right, you, oui. Ask him a question. Oui, vas-y. Alors, votre rencontre avec Yambo, comment ça s'est passé? Microphone. Bon, d'abord, il était tellement fâché. Il a cru que son oncle, M. Omar Tambali, il a dit que vous aimez très, you've betrayed me, and he called him Judas Iscariot. Il était tellement fâché, mais après, il a changé la vie, il est devenu plus chauffe. On a parlé pour 3 heures. Peut-être, et puis la deuxième fois, bon, j'ai passé 2-3 jours au pays d'Ogan, et après ça, après 3 jours, je suis revenu à Mopti, à Sévaré, et il était là, il dit, bon, viens pour discuter avec moi à ce temple-là. Il était plus gentil parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. C'était plus intime comme ça. Et donc, j'ai trouvé à ce temple-là que son anglais était parfait. Il a parlé avec moi en anglais, et c'était en anglais comme quelqu'un aux États-Unis. Donc, c'était très, très fort, son anglais. Et on a parlé pour peut-être 1-2 heures. Sa mère était là, et elle était gentille aussi. Mais d'abord, elle a dit non. Vous ne pouvez pas entrer parce qu'il fait des prières maintenant. Mais elle a changé la vie et Yambo est venu pour parler avec moi. J'étais là avec un homme qui vient de Liberia, qui s'appelle James Wade. Et Yambo m'a dit à ce temple-là, il a dit que j'ai vu dans un rêve que un juif va m'amener une Libérienne et une Américaine. Et l'homme qui a conduit la voiture était un juif. Donc, il dit qu'il a prévu tout ça dans un rêve. Il prend des choses très mystiques. C'était un homme mystique. Et il a, pour moi, il avait eu, comment dire, un aura sur lui. Il était un homme tellement extraordinaire. Extraordinaire aussi, c'est que la technique fonctionne. Merci beaucoup. Pas mon micro. Dans la recherche littéraire, on est longtemps parti du principe qu'en 1968, les éditeurs du Seuil étaient convaincus d'avoir déniché avec Ouloughem un écrivain prodigieux. Certains indices donnent en effet l'impression que le manuscrit a été convoité. Christopher Wise rapporte ainsi que, selon Ouloughem, son manuscrit aurait été publié avant même la signature du contrat. Cela suggère qu'on le lui aurait arraché dans la précipitation. Vivian Stimmers déduit des tirages impressionnants que le Seuil ne doutait pas du potentiel commercial du roman et souhaitait même qu'il soit éligible pour un prix littéraire dès la rentrée de l'automne. Elle poursuit,
Oulughem ne semble éprouver aucune difficulté à faire publier le devoir de violence. Cependant, les découvertes que j'ai faites aux archives du Seuil à Limec, où j'ai eu accès au dossier Oulughem, me poussent à nuancer le récit d'un déroulement trop lisse de l'affaire Oulughem. Premièrement, les fiches de lecture, un autre regard sur la découverte de Yambo Oulughem. J'ai trouvé un certain nombre de fiches de lecture aux archives du Seuil qui permettent de faire remonter le premier contact d'Oulughem avec la maison d'édition plusieurs années avant la publication du devoir de violence. Entre 1963 et 1967, Oulughem envoie au moins 3 manuscrits et un recueil de poésie au Seuil qui ne sont pas retenus, dont les justifications de refus ont été parfois conservées. Il est remarquable que le premier manuscrit, reçu le 27 septembre 1963, porte déjà le titre « Le devoir de violence ». Mais la ressemblance entre ce premier jet et le roman ultérieur semble se limiter au titre. Le lecteur, vraisemblablement Sylvestre, résume brièvement le contenu du manuscrit, apparemment un drame de la jalousie et de la séduction, dans un milieu de bourgeoisie industrielle européenne, et en donne une appréciation écrasante. Je cite « Aucun sens de la composition romanesque, aucune véracité psychologique, aucune vérité tout court. » Fin de la citation. Sylvestre remarque que l'auteur semble s'être employé à pêcher au hasard de ses lectures et de ses études. Idées, citations, formules qu'il nous resserre ici recutent. Et de conclure, je cite Et c'est un perroquet, non un homme, qui a voulu écrire ce roman à la française, avec des personnages français, en mêlant tristement les conséquences intellectuelles ou autres d'un roman feuilleton, d'un roman policier, d'un roman cochon et d'un manuel de philosophie. Non. Fin de la citation. Le deuxième manuscrit, envoyé au Seuil l'année suivante, le 6 mars 1964, et refusé 6 jours plus tard, semble avoir été un recueil de poésie intitulé « La salive noire ». L'auteur du commentaire, qui utilise les initiales CR, reproche leur manque de rythme à des poèmes prétendus noirs et note, je cite, « Cela peut faire illusion quelques brèves minutes, mais très vite le toc et le truc apparaissent. Ce petit étudiant a lu très vite et pêle-mêle César et Prévert, et ses frères de l'anthologie africaine et malgache. Et à partir de cela, tantôt on enfile des perles et tantôt on casse et concasse ses phrases, sans oublier de verser, bien sûr, dans la plus facile démagogie du pauvre nègre. Accidentellement, il y a une image, un trait de dérision qui porte, mais ce qui ne trompe pas, c'est l'absence de rythme et c'est bien là le fin fond de la faiblesse pour des poèmes noirs. » Fin de la citation. La même année, en novembre, Yambo Oulughem envoie un troisième manuscrit intitulé « Humble soif ». D'après la fiche de lecture établie par Tremblay, cette fois-ci, il s'agirait d'une autre œuvre de fiction. Tremblay qualifie la première page de manifeste. Longue phrase qui prêche la révolte. Le héros, un métis orphelin, s'emploie à devenir fou. Le désir de démence du personnage semblerait être en rapport avec sa fille. Nous savons que le héros Jean-Baptiste d'emblée a une petite fille, que cette dernière ne l'aime pas et qu'un traumatisme l'a rendue muette. Son mariage avec Barbara, jeune femme blonde très belle de père allemand nazi et de mère suédoise, serait une autre source de conflit. Sur le plan formel, Tremblay reproche au manuscrit une écriture d'un formalisme excessif. À la différence des commentateurs précédents, Tremblay retient un certain intérêt pour le sujet du roman, tout en se prononçant en faveur de son refus. Par le sujet même, on était en droit d'exiger beaucoup de l'auteur, avouant n'avoir été jamais séduit. Il faudrait toutefois suivre l'auteur. 3 fiches de lecture, l'une non datée et informelle, les 2 autres officielles, c'est-à-dire rédigées sur le formulaire standardisé de fiches de lecture de la maison, l'une étant datée du 20 avril 1967, semble se rapporter à un même manuscrit d'Oulughem, s'intitulant à nouveau « Le devoir de violence ». M.C., un collègue ou collaborateur externe,
écrite à propos du manuscrit en question dans une note à François-Régis Bastide, je cite, « Cher Régis, il y a là-dedans, premièrement, un vade-mecum de la ménégritude rédigé par un collectionneur boulimique et peu organisé, deuxièmement, la transposition, sous une autre forme, des émois glandulaires et autres d'un jeune homme de couleur et de 20 ans, épars déjà, semble-t-il, dans les précédents manuscrits. J'ai peine à croire qu'il y ait l'étoffe d'un écrivain, chez l'auteur de morceaux comme ceux des pages 137 et 210, cet érotisme de Zouk est vraiment imbuvable. Je ne trouve pas d'unité dans ce tas de briques, pas de ton dans ce ramassis de lieux communs. Des phrases d'un kilomètre, je veux bien, mais quand elles pèsent une tonne. Je veux bien faire des fleurs ou sous-développer, mais attendons au moins que le gars soit agrégé, ES lettres, j'oubliais qu'il a renoncé à normal, tant pis. Amitié, MC. Léo Frobenius, ici Schrobenius, et la vogue de l'art nègre, il y aurait autre chose à dire que ces trivialités qui se veulent féroces. » Fin de la citation. Il ressort de ce commentaire qu'Oulugem a dû envoyer une version entièrement réécrite qui, plus qu'avec le manuscrit refusé par Sylvestre en 1963, semble avoir des ressemblances avec celui qui sera publié un an plus tard par Le Seuil. La présence du personnage Schrobenius qui apparaît dans le roman publié indique qu'il s'agissait ici d'une version déjà relativement proche de la version finale. Le commentaire plus détaillé de Weber permet d'identifier le manuscrit à une ébauche de la version définitive qui ne s'en distingue que par quelques détails. Les chapitres « La légende des Saïfs » et « La nuit des géants » s'y trouvent déjà, le mouvement en trois temps, époque précoloniale, colonisation, décolonisation également. Quant aux aspects formels du texte, Weber cerne très clairement la technique de collage qu'Oulugem a utilisée. Je cite « La forme de ce roman participe de la compilation. Recueil de documents et de la narration orale, récitation ponctuée d'interjections. Ainsi, différents styles s'enchevêtrent sur le fond d'une geste naïve. Discours politiques, documents ethnographiques, dialogues diplomatiques, scènes amoureuses, considérations philosophiques, sorcellerie, pornographie, esquisse de la société française, analyse sociologique, lettres, autant de textes spécifiques reliés dans un mouvement que l'auteur voudrait un et dont on pourrait dire qu'il est celui d'un certain désarroi devant la réalité africaine. » Fin de la citation. Ce n'est pas tant la compilation perçue comme procédé pauvre qui le gêne, la question d'un éventuel plagiat ne préoccupe pas Weber ici, qu'une certaine insuffisance sur le plan de l'authenticité culturelle. Je cite « Ceci n'est pas sans inspirer une certaine gêne. On l'expliquera par la pauvreté du procédé et surtout par le manque total d'originalité africaine. Les scènes amoureuses, les descriptions pornographiques sont proprement lamentables, dans la mesure où le style procède d'une sous-littérature condamnable et par ailleurs tout à fait étrangère à la culture africaine. » Fin de la citation. Comme on peut le déduire de cette fiche de lecture, le caractère hétéroclite de l'écriture provoqué par la compilation avait été remarqué par l'équipe éditoriale du Seuil. Même s'il ne s'agissant que d'un manuscrit refusé, elle n'avait pas voulu se donner la peine d'identifier l'origine des passages ni de comprendre la fonction de cette technique d'écriture. Pour elle, la révélation, quelques années plus tard, que des passages de l'œuvre avaient été empruntés et plagiés, n'aurait pas dû en être une. Il n'y avait pas là de quoi surprendre les éditeurs du Seuil. L'appréciation de Jean Cayrol se distingue largement de celles qui ont été faites par MC et Weber. Son commentaire ne comporte pas de date, mais doit avoir été écrit entre avril et octobre 1967. Cayrol y exprime son plein soutien au texte. Je cite « J'ai lu avec un très vif plaisir, malgré les rapports qui ont été faits sur lui, ce manuscrit, et je suis un peu étonné des réactions sur ce livre qui me paraît être la première chronique en prose du monde africain. Si l'écrivain accepte de reprendre son texte, alors je suis favorable à l'édition du manuscrit, mais de toute manière, tel qu'il est, j'ai été agréablement surpris par cette recherche du temps perdu africain. » Fin de la citation.
Kérol offre à Ouloughem une légitimité littéraire tout à fait notable. En truffant son commentaire de référence à Voltaire, Proust, Jarry et Queneau, et en distinguant les qualités littéraires. Suite à cet avis favorable, la signature du contrat initial a lieu le 11 octobre 1967 entre Jean Bardet et Yambo Ouloughem. En définitive, le devoir de violence n'est pas publié immédiatement après la signature du contrat. Il est probable qu'à partir d'octobre 1967, Ouloughem ait à nouveau remanié son texte en fonction des indications de l'éditeur en vue d'une soumission du manuscrit final le 1er janvier 1968, comme le stipule l'article 1 du contrat. Dans une lettre du 22 décembre 1967, Bastide félicite l'auteur de ses dernières modifications du texte. Je crois pouvoir vous dire dès maintenant que vos corrections semblent excellentes. Je reprendrai contact avec vous très prochainement pour l'établissement du dossier presse. Une autre lettre du 3 janvier 1968 témoigne des dernières retouches du manuscrit. Je viens de relire entièrement, ligne à ligne, votre livre. J'ai encore des petits détails à vous montrer qui, tous, posent des questions. Nous ne sommes plus très loin de l'achèvement. Plus de 6 mois passent entre la mise au point finale du texte et la publication définitive avant la rentrée 1968. Certaines lettres de la correspondance entre Yambo Ouloughem et Paul Flamand donnent un aperçu de leurs échanges à propos de la vision littéraire et esthétique de l'auteur. Selon les apparences, Yambo Ouloughem avait pour un certain temps le soutien de certains acteurs du Seuil, mais les avis favorables concernant son roman ne faisaient guère l'unanimité. Deuxièmement, les lettres de refus, traces de l'injonction à l'africanisation. Destinées à l'usage interne de la maison d'édition, les appréciations et les commentaires des lecteurs du Seuil dévoilent des opinions, des idées reçues, des habitudes et des attentes de lecture à l'état relativement brut. C'est précisément parce que l'auteur n'aura pas connaissance du contenu des fiches de lecture que les lecteurs s'y expriment plus librement. Ainsi, les fiches donnent un aperçu, certes restreint dans la mesure où seulement 6 fiches de lecture ont été conservées, de l'accueil tout à fait mitigé qu'a réservé le Seuil au manuscrit de Yambo Ouloughem. Mais les fiches de lecture révèlent aussi l'imaginaire culturalisé, sinon racialisé, des commentateurs. Il est vrai qu'un éditeur se doit de protester contre les maladresses, les phrases malheureuses et l'orthographe par endroits relâchés, dans un manuscrit qu'il est en droit d'exiger formellement irréprochable. Néanmoins, on remarque que les réclamations au niveau de l'expression écrite et du style sont fréquemment mises en relation avec l'altérité présumée de l'auteur, parfois de manière dépréciative, comme dans le commentaire de Sylvestre, je cite. Les plus grandes difficultés à garder l'équilibre sous les assauts de l'accord des verbes des temps. Des temps des verbes. Ne donne que l'illusion de posséder notre langue. Fin de la citation. Même si le manuscrit en question était effectivement truffé de fautes, c'est en raison d'une grille de lecture décidément culturaliste que Sylvestre perçoit un lien de causalité entre les fautes de grammaire et l'altérité supposée du jeune auteur, pourtant, rappelons-le, en classe préparatoire au lycée Henri IV. Qui lui dénie entièrement la maîtrise du français est méprisant, et le mépris est encore plus évident dans le commentaire de MC cité ci-dessus. Sylvestre retrace et consolide les frontières racialisées entre une littérature française en tout point supérieure et une littérature africaine perçue comme une dépravation d'un présumé état naturel africain. Je cite « Et l'on se prend à déplorer » après l'admiration pour l'absence de préjugés avec lequel les jeunes Africains se complaisent à intenter notre parler, à déplorer donc l'inconscience avec laquelle notre intelligence des choses et nos systèmes d'études détournent ces gens d'eux-mêmes. Fin de la citation. En raison des fréquentes observations à propos d'un manque d'africanité, l'absence de rythme, perçue comme le fin fond de la faiblesse pour des poèmes noirs, et d'un style français plutôt mal imité, c'est un perroquet, non un homme, qui a voulu écrire ce roman à la française avec des personnages français.
Le reproche d'un manque de connaissance sûre de la langue, et la remarque « malheureusement cela nous est livré dans un style de feuilleton 1900 », et je ne sais si nous accepterions cela sans rire d'un écrivain français, il apparaît que le seuil de tolérance d'une certaine partie de l'équipe éditoriale du Seuil recouvre la ligne de couleur littéraire. Certains éditeurs réclament le privilège de définition de la culture africaine, autrement dit, de l'africanité littéraire du texte. Cependant, les préjugés culturalisés et racialisés ne sont pas communiqués immédiatement à l'auteur. Les questions de littérarité africaine et l'ordre littéraire culturalisé tel que le conçoivent et le discutent les éditeurs au sein de la maison d'édition sont traduits en propos modérés et diplomatiques et prennent au sein de la maison d'édition et prennent enfin la forme de remarques critiques et de suggestions de remaniement. Les lettres adressées à Yambo Ologem lors de chaque refus d'un manuscrit, dont trois sont conservées à l'IMEC, comportent ainsi des incitations, voire des injonctions tacites à l'africanisation du texte. Lorsqu'elle retourne le prototype européen du devoir de violence, le manuscrit du roman feuilleton refusé par Sylvestre, Christiane Regnault fait le commentaire suivant, je cite. Nous avons été sensibles, croyez-le, à l'ambition de votre projet, à son ampleur, au brassage d'êtres et d'idées dont vous faites témoin votre lecteur. Mais il nous paraît aussi que sur le double plan de la construction romanesque et de l'écriture, vous avez été ici comme débordé par l'abondance, la richesse du matériau. Non que nous eussions souhaité trouver dans ces pages l'ordonnance d'un jardin à la française, un développement clair et logique des thèmes, une écriture unie. Ce qui manque ici, à notre sens, ce n'est pas une cohérence plus ou moins superficielle, mais un point de fusion, un ordre intérieur au désordre. Fin de la citation. En établissant une opposition d'une part entre l'abondance et le débordement, et d'autre part l'ordonnance à la française, il apparaît que ce qui est perçu comme la faiblesse principale du manuscrit n'est pas qu'il n'est pas assez français, mais qu'il n'est pas africain comme on l'aurait souhaité. Comme le soutient Graham Hagen, la perception exotique est un mécanisme de contrôle qui associe les significations familières à des textes non familiers. Autrement dit, il convient que le texte d'Ologem soit étrange, mais il doit l'être de manière convenable. Dans sa justification du refus du manuscrit « Humble soif », l'histoire des tourments existentiels de Jean-Baptiste Desmoulins, Christiane Regnault signale à Ologem son progrès par rapport au manuscrit antérieur, je cite. En dépit de cette décision, il nous est bien apparu que ce texte constituait une étape positive dans votre travail. Vous avez mieux cerné votre propos, dominé plus nettement votre intrigue, les idées forces s'incarnent d'une manière plus concrète. C'est malheureusement le matériau romanesque lui-même qu'il faut ici mettre en cause. Or, nous sommes bien ici dans une narration réaliste et à ce propos, une dernière remarque, croyons-nous, s'impose. Le constat littéral et le discours lyrique se heurtent et la langue elle-même manque de rigueur. Nous avons voulu une fois encore user avec vous de franchise et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. L'écriture est une entreprise de patience autant que de passion. Fin de la citation. Il est intéressant de noter que ces encouragements plus explicites interviennent à la suite de l'observation de Tremblay à propos du sujet littéraire exotique du métissage vécu de manière traumatique. Par le sujet même, on était en droit d'exiger beaucoup de l'auteur, écrit-il, et il ajoute « il faudrait suivre l'auteur ». Ologem commence à se consacrer à des thématiques perçues comme autres. Et ces textes, qui, sur le plan de la construction de l'intrigue et du style, manifestent toujours les mêmes problèmes, semble gagner en valeur aux yeux des éditeurs. Dans une troisième lettre de refus non datée, François-Régis Bastide, avant de s'intéresser lui au manuscrit du devoir de violence africain, s'adresse à Yambo Ologem pour lui transmettre le refus du même manuscrit. Ses directives sont, on ne peut plus clair, je cite. Certes, il y a dans votre propos une belle ambition. Vous êtes, si j'ose dire, condamné à écrire un chef-d'œuvre.
Vous êtes trop attendu à ce merveilleux tournant de la civilisation africaine. Il semble que vous n'ayez pas tout à fait réussi parce que vous avez trop à dire. Il faudrait absolument être impitoyable à l'égard de votre talent, proscrire toutes les tournures archaïques françaises qui ne peuvent que nuire à votre démarche. Il faut trouver des équivalents africains. Il paraît dérisoire de vous demander plus de sobriété, l'exubérance devant faire partie de votre œuvre. Fin de la citation. Le procédé de compilation, l'enchevêtrement de style hétéroclite et encore la lourdeur du style désapprouvé par Weber sous-tendent le propos de Bastide. Mais surtout, ce refus de manuscrit comporte autant d'encouragements explicites et de conseils spécifiques. Bastide franchit ainsi le pas vers la prochaine étape de l'incitation à l'africanisation du texte. En flattant l'auteur, il encourage à abandonner les modèles romanesque français, les tournures archaïques françaises qui ne peuvent que nuire à votre démarche, afin de pouvoir mieux exploiter son ambition exubérante et son talent africain. En définitive, la genèse de la version finale du devoir de violence n'est pas un processus de fabrication d'un texte africain entièrement régi ou commissionné par l'éditeur, mais plutôt une longue procédure d'aller-retour entre l'auteur et la maison d'édition, un processus d'interaction au cours duquel la définition légitime d'une littérarité africaine s'est négociée et ensuite concrétisée. De manuscrit en manuscrit, Yambulo Gemma a africanisé ses textes, ce qu'on lui avait en effet suggéré de faire dans les justifications de refus. Troisièmement, la consécration ambiguë de Yambulo Gemma au seuil. Peu de temps après la célébration du prix Renaudot, les rapports entre Yambulo Gemma et ses éditeurs se dégradent progressivement et des conflits d'intérêts flagrants apparaissent. Pendant l'attente de la publication du devoir de violence, Oulu Gemma se voit refuser d'affilée la publication de deux manuscrits proposés au seuil, Le secret des orchidées et Les moissons de l'amour, qu'il finit par publier aux éditions du Dauphin. En 1971 se concrétise un autre projet de roman susceptible d'intéresser le seuil, Les pèlerins du Capharnaüm, dont il soumet la première partie pour lecture à Paul-André Lesort, début 1971. Mais le jugement, formulé en termes très prudents, est négatif et Lesort conseille à Oulu Gemma d'importants remaniements. Peu enclin de retravailler le manuscrit des pèlerins du Capharnaüm, dans le sens suggéré par le sort, Oulu Gemma estime ne plus être lié au seuil et signe ailleurs un contrat pour le même manuscrit, ce qui semble irrecevable à Paul Flamand, qui insiste toujours sur la remise du manuscrit pour pouvoir exercer le droit de refus ou d'acceptation. Oulu Gemma contre-attaque en portant plainte contre le seuil le 18 février 1972 en raison d'un désaccord sur les comptes établis par l'éditeur. Lorsque le scandale de plagiat éclate dans le Figaro littéraire, le différend entre Oulu Gemma et Flamand, qui s'échange par avocat interposé, est irréconciliable et on peut dès lors comprendre pourquoi, dans cette affaire, Oulu Gemma ne rencontre aucun soutien officiel de la part du seuil. Cependant, les conséquences de l'accusation de plagiat sont désastreuses pour Oulu Gemma et les conflits se superposent. Il semblerait qu'Oulu Gemma perd ses procès l'un après l'autre et s'endette progressivement. Suite aux réclamations de Graham Greene, Secker & Warburg à Londres et Harcourt, Brace & Jovanovich à New York, pousse le seuil à arrêter toute reproduction du livre, à pilonner tous les exemplaires des stocks et à exiger un dédommagement. Pris de court par la réaction de ses homologues qu'il estime excessive, Paul Flamand adopte une position compréhensive et modérée en essayant d'apaiser le jeu dans l'affaire de plagiat. Mais ses tentatives de demander à Oulu Gemma d'amender les passages incriminés restent vaines. Pendant quelques années, Oulu Gemma semble avoir disparu sans avoir laissé de traces. La position conciliatrice de Paul Flamand, qui s'accorde bien
à l'image impartiale, égalitaire et universaliste de la maison d'édition, cependant, ne doit pas faire oublier l'impact d'une consécration racialisée infligée à Yambour Lougem, dont les enjeux implicites et la violence symbolique ont été dévoilés à travers l'examen des archives du Seuil. L'analyse du dossier Lougem au Seuil a montré que, même dénié, le critère racialisé influe sur les mécanismes de distinction et de reconnaissance, régule la répartition inégalitaire du capital symbolique et consolide les frontières racialisées de l'espace littéraire. Technicien, merci de venir à notre secours et de réduire le Larsen, merci beaucoup. Merci Sarah Burnowski, par la magie des ondes. Nous avons écouté sa communication. Il y a un certain nombre d'éléments devant lesquels nous ne pouvons qu'acquiescer. La génétique littéraire a ses mystères, mais aussi ses preuves. Ces preuves apportées par Sarah, qui est rentrée dans la vie des manuscrits, dans le texte, ou en tout cas dans certains textes, elle en a fait un relevé quasiment clinique de ce procès. On a presque les heures du procès, comme dirait les minutes, n'est-ce pas professeur et avocat, Maître Abega, on a les minutes. Le greffier nous a rendu les minutes du procès en littérature. Nous ne sommes pas forcément tous d'accord, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Mais je suppose que Christopher Wise, qui n'avait pas tout à fait fini de nous raconter ce qu'il a vécu au plus proche de Yambour Lougem, avant que Jean-Pierre ne prenne la parole pour quelques éléments complémentaires sur l'interprétation que fait Sarah Burnowski, la professeure, d'un certain nombre de comptes rendus de lecture, notamment sur la base de deux personnes qui sont importantes et qui ont été citées, François-Régis Bastide et Jean Quayrol. L'un est éditeur, François-Régis Bastide. L'autre est un écrivain qui a obtenu, me semble-t-il, le Goncourt lui-même. Oui, il était éditeur au Seuil aussi. Et il est aussi éditeur au Seuil, mais les comptes rendus sont souvent faits, Jean-Pierre nous le dira, par des personnes extérieures, d'où ce maximum, enfin, ces refus alignés comme ça, comme si c'était Jean-François Bastide qui était à l'origine de tout ça. Je pense qu'il y a à faire une distinction entre les rapports de lecture extérieure et le commentaire de François-Régis Bastide, qui quelquefois sont aussi un peu teintés de paternalisme, il faut bien le dire. Donc, Christopher, peux-tu terminer ta rencontre avec Yambo à deux niveaux? Le premier, la colère, le deuxième. Bon, la première fois, il prend beaucoup de choses de la littérature. La deuxième fois, il passe sur les choses plus religieuses. Mais l'une chose qui est intéressante pour moi, c'est que j'ai entendu le nom de Léopold Sédar Senghor souvent ici, mais Yambour n'aime pas du tout Léopold Sédar Senghor. Ils sont combattre toute leur vie. Et quand j'étais là, il a passé 15 minutes parlant de le sujet de Léopold Sédar Senghor, il n'est pas dit des bonnes choses. Bon. Ouais. Ouais. Mais je crois que après des années, j'ai réfléchi un peu plus de ce sujet. Et quand on lit l'histoire de Raymond Spartacus Kasumi, c'est clair que Léopold Sédar Senghor était le modèle de ce caractère. Donc, c'est vrai qu'il a attaqué la négritude, mais c'était
très très proche à la cour de Saint-Hor. Donc, he never forgave him, and Yambo never forgave him. So, c'était un bon. Mais la deuxième fois, il parlait de choses religieuses. Et j'ai trouvé qu'il était un homme très pieux, un homme spirituel, et c'était pas it wasn't an act, c'était la vraie chose. Il priait beaucoup. Bon, on peut dire qu'il a fait la retraite parce qu'il était blessé, mais à mon avis, c'était pas ça. C'est sûr qu'il était encore fâché et un peu blessé, mais sa vie spirituelle, mystique, c'était quelque chose de vrai. Il était un homme, un vrai musulman. Et c'est comme El Hadj Sekoutar dit la même chose à moi. Il a dit qu'il était un militant. Ça ne veut pas dire qu'il fait du djihad, mais c'est-à-dire qu'il lutte pour le cours d'islam. Il était comme ça. Et Muntagartha, le fils d'El Hadj Omar, a dit à moi qu'il était dur. Et pour lui, ça, c'était un bon compliment. Il était dur dans son islam. Donc, pour moi, ce qui est important à comprendre est qu'il y a plus d'un Yambo Walagum. Et le Walagum qui est revenu à Mali n'est pas revenu comme un animal qui, comment on dit, comme lick the wounds, un animal dans un cave. Ce n'était pas du tout comme ça. Il était un homme fort de son islam, un homme sincère, et il avait eu des visions, c'est vrai, des rêves, mais comme j'ai dit, j'ai trouvé après ça que c'est pas vrai, ça arrive toujours avec les Tijani. C'est très commun de dire que je vis les visages. Donc, à cause de ma rencontre avec Yambo Walagum, pour dire la vérité, il a changé ma vie, parce que à ce temps-là, moi, je ne sais rien sur le sujet de la Tijani Marien, mais je deviens très, très intéressé. It became very interesting for me. C'était quelque chose de très intéressant. Donc, comme j'ai dit, j'ai passé 25 ans en apprenant les choses de la Tijani, les enseignants d'El Hadj Omar, etc. Et c'est vrai qu'El Hadj Omar était un djihadiste, mais était un vrai musulman aussi. Et j'ai appris beaucoup de bonnes choses, et c'est à cause de Yambo. Pour moi, ma vie de fait des réseaux était inaugurée avec la rencontre de Yambo. Yambo. Switch off the microphone, please. Merci beaucoup, Christopher Wise. D'ailleurs, tu as raconté combien, autour de Yambo Walagum, on voyait des immortels partout, et autour de la figure d'El Hadj Omar Tall, dont on ne sait pas très bien dans quelle année exactement il a disparu, dans cette fameuse grotte près de Bandiagara. Je ne sais pas si vos recherches ont déterminé l'année de sa mort, après toutes ces batailles dont vous nous avez rendu compte, qui ont fait près de 700 000 morts quand même, enfin, des décomptes absolument effroyables dans toutes ces guerres. C'est absolument épouvantable, et c'est aussi ce que Yambo Walagum a essayé de restituer dans son roman Le Devoir de Violence, parce que ces guerres entre le Massina, entre les Peuls, etc., et aussi contre les troupes de Federbe, ont quand même créé beaucoup de dégâts. Et ça, il voulait en rendre compte, il voulait montrer les oppositions parfois biaisées. Et puis tout ce territoire qui descendait de l'ouest presque jusqu'aux frontières du sud, donc un empire colossal, et qui montrait au fond ce qui était à l'œuvre dans cette Afrique, et que ce qui était absent, c'était parfois une ligne spirituelle dans laquelle tu essayes de rendre compte aussi, à laquelle il croyait fermement, et dans laquelle il est devenu presque un pur esprit, puisque vous indiquez qu'il avait des songes. Et je crois que son fils va en témoigner. Il pouvait abandonner tout ce qui était support moderne de communication
n'écoutant qu'à l'intérieur de lui-même ce que cet intérieur lui rapportait comme fait, comme événement. Il le dira, imbibé, imbaïbé, wologem. Et maintenant, je crois que Jean-Pierre, on n'a pas épuisé tout le sujet, c'est vrai, avec Christophe, et comment sa vie elle-même a été modifiée. Est-ce qu'il est devenu Tijani? Ça, il nous le dira dans une autre étape, une autre époque. Mais Jean-Pierre, tu as suivi Sarah Burnowski, tu as suivi un certain nombre d'éléments qu'elle a apportés comme étant la preuve que le seuil avait eu un comportement parfois indélicat à l'endroit de Yambo, et que les réponses de Jean-François, de François-Régis Bastide, pouvaient aussi être interprétées, pas toujours aussi finement que tu l'aurais souhaité. Preuve à l'appui. Alors, il faudrait passer une journée à étudier chaque document. J'ai dit tout à l'heure que ce qui m'importe, moi, c'est les documents. Et lorsqu'on publie des documents, il faut les publier tous. C'est-à-dire tous ceux dont on dispose. Et il faut en tout cas les rechercher et les publier. Je connais bien le travail de Sarah Burnowski, que j'ai connu au début, au cours de l'écriture de sa thèse, et les discussions qu'on a eues à ce moment-là me donnaient grand espoir de montrer ce processus qui, de fait, qu'elle appelle de racialisation, de demande de racialisation des manuscrits africains. Cependant, les conclusions, et je l'ai dit dans d'autres colloques, les conclusions auxquelles elle aboutit ne me satisfont pas pour une simple raison. C'est qu'elle oriente, et je suis désolé, elle devrait être là, elle devrait pouvoir répondre, mais je le dis, et puis la discussion sera... Voilà, je pose mon opinion et l'échange, la discussion en public pourra se faire une autre fois. Mais il faut... Oui, mais elle le sait, parce que à Lausanne, j'ai participé à un colloque. Cette fois-là, c'est moi qui étais à distance. Mais il faut montrer tout. Les éléments sur lesquels elle appuie, c'est ce que tu as dit, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont des notes de lecture extérieures. Comment ça se passait à ce moment-là et comment ça se passe parfois encore maintenant? C'est-à-dire qu'on donne le manuscrit à l'extérieur, à des lecteurs extérieurs qui sont liés à la maison. Parce qu'au début, les éditeurs intérieurs n'ont pas le temps. Et les notes dont elle a parlé, sur lesquelles elle insiste beaucoup, ce sont des notes extérieures de gens qui sont des anonymes dont on a en général que le prénom, elle a dit Sylvestre, ou que des initiales. Et puis, à ce moment-là, de fait, ces notes sont négatives pour le devoir de violence, comme elles avaient été négatives pour les autres manuscrits qu'il avait proposés. Il faut bien dire que Yambo Wologem, jeune de génie, écrit 4-5 manuscrits à la suite, et quand il y en a un qu'on refuse, il en écrit un autre, et il en envoie un autre, toujours au seuil, parce qu'il a décidé que ce serait au seuil qui serait publié. Et donc, il envoie ça jusqu'au moment où il envoie le manuscrit de ce qui deviendra le devoir de violence après le retravail que lui fait en coordination avec François-Régis Bastide. Alors, l'ironie du sort, l'ironie de l'histoire, c'est que, et j'ai là, vous pouvez projeter la régie. L'ironie du sort, c'est que François-Régis Bastide écrit à... Merci. Il écrit à... Alors, on peut... Il faut... Remonter. Il faut descendre là, maintenant, si vous voulez bien. Je vais vous dire page 8. De là, on descend jusqu'à page 8. Tu suis et moi je dis. Et donc, en fait, le François. Voilà, ça c'est la note de Kérol. Ah.
C'est que, en fait, le manuscrit... Mais tout cela est accessible en ligne, hein, à l'instant même, si vous voulez. Tout ça est accessible en ligne et gratuitement. Il suffit d'aller sur le lien que je vous ai passé. Tout ça, y compris des transcriptions de lettres. Et tous les documents n'ont pas pu être reproduits, mais l'essentiel des documents a été reproduit. Et donc, en fait... François-Régis Bastide écrit une lettre à Yimbo Le Guem, je l'ai là, elle est dans le document, c'est pas ça, il écrit « Je suis désolé, votre manuscrit a beaucoup de qualité, mais nous l'avons refusé. » Et après, et après Kerol, Jean Kerol, qui était un écrivain très connu, qui a beaucoup travaillé sur les camps de concentration pendant la guerre, parce qu'il avait été lui-même dans les camps, et lui est éditeur au Seuil et tombe sur ce manuscrit. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ça qui a fait le tournant. Le Guem avait déjà reçu sa lettre de refus, et Jean Kerol, il dit ça, j'ai lu, parce que c'est ça la note importante, j'ai lu avec un très vif plaisir, malgré les rapports qui lui ont été faits sur lui, ce manuscrit, et je suis un peu étonné des réactions sur ce livre qui me paraît être la première chronique en prose du monde africain. Je passe le détail, on ne va pas tout lire. Texte très riche où il y a de tout à boire et à manger, brassant l'insolence, l'impudeur, le dérèglement et en même temps racontant avec beaucoup d'aisance des choses insolites. Ça hésite parfois entre Voltaire et Queneau pour en arriver à Jarry. Je veux bien avoir un manuscrit dont on fait cette lecture-là. Mais à chaque page, il y a des trouvailles qu'il décrit. Même dans les échecs de style, où l'auteur se trompe, c'est dans la chronologie. Il est évident que la pénicilline n'a pas été inventée, c'est des détails, en 1900 par exemple. Mais si l'auteur pouvait arriver à reprendre son texte, à le nettoyer de ses scories de langage, à simplifier parfois son écriture, nous aurions le premier récit africain en prose qui ne soit pas aveuglé par ce qu'il écrit, mais qui garde une certaine distance vis-à-vis de ce qui est raconté. Et il dit cette phrase, quand même forte, « Si l'écrivain accepte de reprendre son texte, alors je suis favorable à l'édition du manuscrit, mais de toute manière, tel qu'il est, de telle manière, j'ai été agréablement surpris par cette recherche du temps perdu africain. » C'est Proust, il le compare à Proust. C'est cette note qui fait le tournant. Et vient encore une note, parce qu'on parlait du contrat, il vient encore une note en retard d'une certaine Christine Regnault, là on a le nom, mais c'est quelqu'un... anonyme, pas connu. Trop tard, le contrat d'édition entre Isabelle Bardet, fille du cofondateur des éditions du Seuil, et Yimbo Le Guem pour le devoir de violence, a été signé 4 jours plus tôt, le 11 octobre 1967. Donc, 8 mois avant la publication, la remise du texte du manuscrit retravaillé est fixée au 1er janvier 68, et le premier tirage est prévu de 4000 exemplaires. Donc, entre le 11 octobre 67 et le 1er janvier 68, Yimbo Le Guem retravaille avec, et c'est Yimbo Le Guem qui retravaille sous la directive ou l'accompagnement de François-Régis Bastide. Et on pourrait continuer parce qu'il faudrait tout citer en fait. La lecture racialisée qu'il y a eu, c'était des notes qui de fait sont vraiment pour le moins pour dire désagréables et dégradantes, méprisantes, mais ce sont des notes d'extérieur qui sont des petites mains de la lecture. Voilà. Les petites mains sont parfois féroces. C'est ce qu'on retiendra. Merci à vous deux d'avoir complété, et même on voit combien il y aurait encore à dire. Et Sarah Burnowski nous a proposé donc une interprétation pour elle et pour aussi la recherche scientifique de l'affaire Le Guem, le passage de Yimbo Le Guem aux éditions du Seuil. Eh bien, on sait que ce passage a besoin de passeurs, et vous en êtes un, cher Olivier, Jean-Pierre Orban, j'allais dire Olivier. Maintenant, on va écouter l'avant-dernière communication qui nous sera présenté par Kayu Arinem. Kayu Arinem vient de Finlande.
Elle est docteur en littérature féministe, comme le diraient certains, mais au fond, elle est docteur en littérature francophone. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Turku, en Finlande, en 2018, porte sur les entrecroisements de différentes formes de discrimination raciale, sexuelle et sociale telles qu'elles sont décrites dans les œuvres semi-autobiographiques des auteurs ouest-africaines, Calixte Biala, la grande Calixte donc, et surtout Ken Bougoul. Docteur Arinen a fait plusieurs séjours de recherche au Bénin, notamment à la Villa Caro, en France aussi à l'Université Paul Valéry Montpellier III et au Sénégal, résidence Taftaf. Elle travaille actuellement comme chercheuse postdoctorale dans un projet fondé sur la lecture intersectionnelle, la quête de justice sociale et l'activisme littéraire anti-raciste. Intersectional Reading Social Justice and Literary Activism. This is for you, Professor Wise. Alors, Caillou a souhaité faire dans sa communication l'analyse et surtout, elle assume la défense de Calixte Béala contre les accusations de plagiat. Elle basera son analyse à la fois sur le paratexte, c'est-à-dire les préfaces, les résumés et bien sûr les entretiens qu'elle a pu glaner ici et là, mais elle s'appuiera aussi sur ce que l'écrivaine elle-même a pu dire de son œuvre. Ici, il s'agit au fond d'une quête de... pas de relégitimation, parce qu'elle est légitime comme écrivaine, et depuis un certain moment, on n'est plus à défendre ce qui, au fond, nous paraît ahurissant, extravagant. Ce qu'elle va nous dire est donc le fruit d'un travail de recherche, et Caillou Arinem, que j'ai eu l'occasion de fréquenter à Montpellier, et je sais que l'équipe doctorale qui l'accompagnait est une équipe extrêmement sérieuse et je la remercie, comme je remercie, avant qu'elle ne prenne la parole, le professeur Sissao, qui vient du Burkina Faso, et on a beaucoup parlé du Burkina Faso ici, eh bien, il est représenté par un professeur, et Caillou Arinem, ce professeur, boira vos paroles comme les propos d'Évangile, et il en a besoin, lui aussi, ou de Coran, d'ailleurs, puisque le Coran a été beaucoup cité. Merci, Caillou, à vous. Merci aussi à l'Académie du Royaume du Maroc de m'avoir invitée. Et voilà, je commence. Donc, je veux parler des accusations de plagiat dirigées contre les auteurs africains qui ne sont pas neutres, mais issus des enjeux socio-historiques complexes et liés au pouvoir entre le système littéraire français et le système littéraire dit francophone. Effectivement, dans l'espace littéraire, deux langues françaises, les règles de l'art, pour reprendre Bourdieu, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Anthony Mangeon remarque que l'histoire de la littérature de langue française, notamment la littérature dite francophone, catégorie réservée le plus souvent uniquement aux écrivains africains, est marquée par des oncles, là je cite Mangeon, oncles morts qui établissent en effet des frontières et des hiérarchies contestables. Fin de citation. Ces frontières se basent sur la verticalité hiérarchique entre les auteurs d'origine non européenne et les auteurs blancs, ainsi que sur la distinction hiérarchique entre les auteurs masculins et féminins. Calixte Béala est une auteure camerounaise prolifique. Elle a publié une vingtaine d'œuvres et a obtenu des prix littéraires, comme on a déjà pu entendre aujourd'hui, pour nombre de ses romans. Et à titre d'exemple, elle a eu le prix Tropique ainsi que le prix François Mauriac de l'Académie française pour la Cise africaine et le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Les Honneurs perdus et le Grand Prix de l'UNICEF pour La petite fille du réverbère. Son œuvre a également été beaucoup étudiée, notamment en France, et traduite en plusieurs langues. Son lectorat l'apprécie pour ses romans qui racontent souvent la vie des immigrés africains à Paris.
Malgré son succès, l'auteur a été victime de nombreuses accusations de plagiat et de diffamation de la part des critiques littéraires. Sa réception contradictoire est, selon mon interprétation, en partie relative à l'économie et par là à la classe sociale. Nikki Hitchcock considère en effet que c'est sûrement la position privilégiée de Beyala en tant qu'auteur noir ayant connu un grand succès économique en France qui expliquerait sa réception ambiguë dans ce pays de mission civilisatrice. Donc, dans ma communication, j'analyserai la défense de Beyala contre les accusations de plagiat et je baserai mon analyse à la fois, comme le disait déjà Eugène, sur le paratexte, donc dédicaces, critiques littéraires, etc., et des extraits littéraires de l'auteur. Sa quête de légitimité se concentre autour du concept d'intertextualité, du racisme et ou du sexisme produit par ce que moi j'appelle l'appareil légitimateur occidental, c'est-à-dire les critiques et institutions littéraires. Et en s'appuyant sur l'ironie et les références intertextuelles, Beyala met en lumière le statut précaire de l'auteur africain dans la, bon, là je cite pour la énième fois, la République mondiale des lettres, le titre de l'ouvrage de Pascal Casanova, soi-disant universel. Pascal Casanova considère en effet que la prétendue universalité de la littérature décrétée à Paris a en effet une grande influence sur la production de littérature dépendante de la capitale littéraire parisienne ethnocentrique. La littérature dite francophone est un exemple par excellence de ce phénomène. Selon Casanova, ce constat est à mettre en lien avec la vision utopique de la littérature selon laquelle cette dernière serait pure, libre, égale et universelle. Ce leurre de l'universalité donne, par conséquent, naissance à une représentation enjolivée du monde globalisé et de l'espace littéraire mondial dans lequel les rapports sociopolitiques et ethnocentriques sont de fait niés. Et pour ce qui est de l'écriture dite francophone, produite par des femmes, elle est souvent interprétée en Occident comme un reportage réaliste ou un témoignage sur la position de la femme africaine et sur la société africaine vue comme un bloc plutôt homogène. En effet, la critique occidentale semblerait se plaire à mettre en avant les aspects sociologiques et historiques des textes littéraires francophones. Selon Isaac Bazier, il y aurait effectivement, je cite, une corrélation directe entre corps romanesque et corps social réel. Fin de citation. La critique littéraire occidentale, dans sa majorité, méconnaîtrait en effet la complexité de l'écriture et les modalités figuratives des auteurs dits francophones, tels que Khalid Beyala, sous-estimant ainsi la dimension artistique et littéraire. En fin de compte, il s'agit de l'image autoriale africaine et francophone exotisée ou érotisée par la critique occidentale, notamment dans le paratexte, qui est un phénomène qui renforce les différences et creuse le fossé entre le moi et l'autre, dans une perspective eurocentriste et égocentriste. Ainsi, les connexions entre les préfaces, les titres, etc., et le texte littéraire en lui-même forment un paratexte général qui a en effet beaucoup d'influence sur la façon dont le texte sera lu et interprété. Voilà, et quelques mots sur le plagiat littéraire qui est classé dans l'intertextualité, en fait, hein, selon Gérard Genette, qui définit ainsi l'intertextualité. Il dit qu'une relation est de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire eidétiquement et le plus souvent par la présence effective d'un texte dans un autre. Selon Genette, la citation, avec ou sans les guillemets, et le plagiat, un pronom déclaré, sont des formes les plus explicites et littérales, de l'intertextualité. Et je rejoins la pensée de Genette qui considère que le plagiat est en effet plus camouflé et implicite que la citation. Ce sont donc deux procédés d'écriture distincts. Bah, somme toute, la problématique plutôt complexe de ce phénomène semble se focaliser autour de deux pôles. La première part de l'idée selon laquelle le plagiat n'existe pas. Si je signe un poème de Lamartine ou une fable de La Fontaine, immédiatement le poème et la fable ne sont plus de Lamartine ou de La Fontaine, mais de Philippe Soupeau. Tandis que le second pôle insiste sur l'existence du plagiat en tant que puissante stratégie littéraire. Si, comme le veut Bourdieu, le champ littéraire est un champ de bataille, le plagiat est une arme à ne pas négliger.
Quant au texte de Beyala, il est plutôt question, selon mon interprétation, de cette dernière prise de position, mais dans le sens inverse. Chez Beyala, les accusations de plagiat deviennent effectivement une stratégie dont l'appareil légitimateur s'est servi pour tenter de délégitimer l'auteur de l'espace littéraire français, dans lequel la littérature africaine dite francophone est le plus souvent considérée séparément de la littérature canonique métropolitaine, comme je l'ai déjà mentionné. Et dans cette hiérarchie littéraire, dominée par la violence symbolique, l'image de l'auteur noir forme ainsi une sorte de classe sociale qui est mise à part par rapport aux auteurs blancs. Et en effet, au-delà de la signification traditionnelle de la notion de la classe sociale, c'est-à-dire les conditions matérielles liées à l'économie et au système politique d'une situation donnée, soit les conditions qui placent la personne à un certain échelon de la hiérarchie sociale, cette catégorie se greffe à de nombreuses autres dimensions de l'identité sociale. Et je me réfère plus précisément à des catégories sociales et identitaires telles que la race, le genre et la sexualité. La classe est ainsi envisagée et donc étroitement liée à des conditions matérielles d'existence inégales et intersectionnelles. De plus, la classe sociale se heurte également aux différentes façons qui renforcent le lien entre l'auteur du livre et son public, et participant ainsi matériellement à la commercialisation de l'œuvre littéraire. La création de l'image d'auteur, particulièrement celle de l'auteur francophone, est donc un processus que j'associe ici à la classe sociale. À présent, je me concentrerai sur la défense de Beyala contre les accusations de plagiat en me basant notamment sur deux romans de Beyala semi-autobiographiques publiés dans les années 1990, à savoir Assez l'Africaine et La petite fille du réverbère, publiés tous les deux chez Albin Michel à Paris et sur leur paratexte. Oui, c'est ça. Oui, donc dans La Cèse l'Africaine, je commence par ce roman qui est paru en 1994. L'auteur, qui signe CB, se prononce ainsi. Une biographie est une paire de lunettes noires. Face à la vérité, tout le monde est aveugle. Et le même ouvrage est également doté d'un prologue, où il n'y a pas de titre, je voulais citer. Donc c'est un protagoniste, un principal, qui raconte. 30 ans après, je n'ai aucune occupation particulière. Dans la journée, je m'adonne à aucun passe-temps, comme la musique ou la peinture. Je ne m'intéresse pas plus aux toilettes ni aux phares. J'habite à Paris, je n'ai pas de jardin. Quand mon mari mange, j'ai faim. Quand il se couche, j'ai sommeil. Lorsque les gens nous rendent visite, ils ne parlent qu'à mon époux et ça m'arrange. Je m'exclipse et je vais prier dans ma chambre. Dès que je le peux, quand mon mari ne déjeune pas chez ses parents, quand il ne souhaite pas pique-niquer, je vais à l'église Notre-Dame de Secours. Elle m'a aidée à surmonter mon désarroi lorsque Soraya est morte. C'est dans mon village que j'ai prié Dieu pour la première fois. Et quand le père Michel est parti, j'ai continué à aller à l'église où je pouvais montrer ma nouvelle robe et écouter les ragots. Ma première rencontre avec le Seigneur peut paraître bien naturelle à certains et en laisser d'autres perplexes. Après tout, ma tâche ne consiste pas à chercher la vraisemblance, mais à raconter ce qui se passait. Et ensuite, le deuxième roman, La petite fille du réverbère, étudiée ici, commence par les deux exergues suivants. Il va de l'identité d'un être comme de n'importe quelle matière, elle se recycle. Et une citation de Guy de Maupassant, tirée de son ouvrage « Études sur le roman », à savoir « Qui peut se vanter parmi nous d'avoir écrit une page, une phrase qui ne se trouve déjà à peu près pareille quelque part ?» Et Maupassant a écrit ceci au début de son roman « Pierre et Jean », en réponse à des critiques qui estimaient que ce récit n'était pas vraiment un roman puisque sa forme ne répondait pas au canon de genre romanesque de l'époque. Et dans son paratexte, Maupassant fait appel au lecteur avisé, ouvert à des textes littéraires qui ne respectent pas forcément les règles du canon littéraire de l'époque, préférant forger de nouvelles formes littéraires.
Maupassant persiste en effet à défendre l'intertextualité. Et là, je lis une courte citation de Maupassant encore. Quand nous lisons, nous, si saturés d'écriture française que notre corps entier nous donne l'impression d'être une pâte faite avec des mots, trouvons-nous jamais une ligne, une pensée qui ne nous soit familière, dont nous n'ayons eu au moins le confus pressentiment. Fin de citation. Donc Maupassant ne semble effectivement pas croire aux illusions d'authenticité et tente d'atteindre l'univers poétique à travers une écriture où tout a déjà été dit. En plus de ce paratexte, dans les dernières pages de La petite fille du réverbère se trouve également une dédicace détaillée. Je dédie ce livre à mes éditeurs, Sylvie Genevois, Richard Ducousset, Francis Esménard, Claude Chaillet, au professeur Jacques Chevrier, Roger Lidl, Eloise Brière, Ginette Adamson, Benetta Jules Rosette et bien d'autres encore. Aux nombreux journalistes qui m'ont soutenu, à Lou Cosima, à mes amis, à mes nombreux lecteurs qui clament sans cesse « Vive la différence ». Fin de citation. Donc le fait de citer Maupassant dans La petite fille du réverbère et se dédier son roman aux autorités académiques africanistes est, pour moi, une quête d'afficher de légitimité de la part de Beyala. En citant un grand auteur de la tradition littéraire française, donc Maupassant, et en dédicaçant son ouvrage à des autorités de la recherche africaniste, comme Jacques Chevrier et les autres, mais aussi à des journalistes de la presse française, Beyala envoie ainsi un message à la critique occidentale. L'auteur souhaite être considéré comme une artiste égale à tous les artistes et non pas être classé comme une écrivaine africaine exotique. À travers la citation de Maupassant, Beyala fait également référence au fait que, au XIXe siècle, l'intertextualité faisait déjà partie de la littérature et que cela a toujours suscité beaucoup d'intérêt et nourri de nombreuses discussions dans la sphère littéraire, qu'il s'agisse d'auteurs français ou non. En outre, il est à remarquer que Beyala renvoie en même temps un homme blanc, un grand maître de la littérature réaliste française mondialement connu. Elle insinue ainsi que les auteurs noirs et les blancs ne sont pas soumis aux mêmes règles de l'art dans la mesure où le genre féminin et la couleur de peau de l'auteur semblent freiner son entrée dans le canon des précieuses lettres de la langue française. Et puis Beyala se défend également dans les accusations de ses accusations de plagiat dans un article nommé ironiquement « Moi, Khalid Beyala, la plagiaire » qui est paru dans le Figaro en 1997. Et dans cet article, elle se revendique des règles du jeu de la tradition de l'art africain dans lesquelles on ne reconnaît pas d'auteur spécifique d'une œuvre d'art. Par ailleurs, le titre de l'article Beyala est, selon mon interprétation, une allusion subtile et fort symbolique au titre du roman de Maryse Condé, à savoir « Moi, Tituba, la sorcière noire de Salem », paru en 1986, et dans ce récit, Condé donne la parole à Tituba, une fille de l'esclave à Bénin, qui est accusée à tort de sorcellerie en 1692 dans le fameux procès de sorcières de Salem. Donc Condé réhabilite l'histoire de cette personne noire innocente, victime de diffamations puritaines et extrêmement racistes de la communauté états-unienne. À l'instar de Condé, qui a fondé son récit sur les archives historiques, Beyala considère une œuvre d'art comme le résultat d'un art communautaire qui est libre de recycler à souhait, tout comme l'excerpt de La petite fille de réverbère le prétend. Et elle résume ainsi son point de vue. Je cite « Je viens d'une civilisation de l'oralité où la connaissance depuis des siècles se transmet de bouche à l'oreille, d'oreille à bouche, pour à chaque fois s'enrichir, se développer d'idées nouvelles, se régénérer. L'auteur semble donc considérer qu'il s'agit plutôt d'un prank que de plagiat, ce qui n'a rien de condamnable en soi. Or, suivant la terminologie de Genette, on dirait plutôt qu'il s'agit bien de plagiat, mais que celui-ci fait toutefois partie d'une paratextualité envisagée comme une forme légitime d'intertextualité. Beyala se reproche ainsi des propos de Genette, cité plus tôt, et qui souligne que toute littérature est une réadaptation des choses déjà dites ou écrites et qui se trouve prise dans un mouvement continuel.
Et plus particulièrement, l'écrivaine se réfère à des accusations de plagiat en défendant son écriture comme un élément propre à la culture orale des griots africains. La narratrice autodiégétique de la petite fille du réverbère termine ainsi son récit. Je cite « Je reviens sur mes pas, sans doute pour que le monde ouvre ses yeux sur cette belle vie dure d'Afrique, sans doute pour crier aux ignares qu'un écrivain n'est qu'un griot qui utilise des signes, qu'un griot n'est qu'une mémoire et que cette mémoire appartient à tous ou à personne. Je reviens sur mes pas pour qu'ensemble, nous frappions nos mains de joie pour nous convaincre définitivement que tout n'est pas si mal dans ce qui est réellement atroce. » Fin de citation. Donc une certaine défense d'une africanité renouvelée ressort, à mon avis, de ce type de discours qui n'est pas étrangère à l'écriture béyalienne. On peut y voir un contre-discours répondant aux préjugés sur l'Afrique que Béyala utilise selon le principe de l'exotisme stratégique, en termes de Graham Hogan, c'est-à-dire qu'elle se sert de la mimique exagérée et ironique d'éléments stéréotypiques considérés comme exotiques en Occident, tout en commentant son statut d'auteur africaine n'ayant pas la même liberté d'expression que les auteurs européens, dont Maupassant fait partie. Selon Béyala elle-même, la discrimination de la part de la presse et de la critique française est surtout due au fait que les personnes qui la critiquent ne supportent pas qu'une femme noire gagne des prix littéraires en France. Et ceci rejoint mon hypothèse citée au début de ma communication sur la dimension économique de la diffamation contre Béyala. Donc Hitchcock, encore, pose également une question intéressante. Est-ce que le spectacle autour du succès de Béyala ranime le besoin impérialiste de constamment justifier la supériorité culturelle de la France métropolitaine blanche ? En mon sens, cette interrogation caractérise la distinction hiérarchique entre la littérature française et la littérature dite francophone. Et le racisme et le sexisme sont effectivement souvent associés à la critique française majoritaire, aveuglée par l'exotisme de l'auteur noir. Et le regard de cette critique est proche de celui des personnes voyeuristes qui visitaient des eaux humains de la République coloniale. En effet, l'aspect physique de l'écrivaine, qualifié d'attirant, a souvent été relevé par la presse française. Et je vais citer quelques titres d'articles parus dans la presse française sur Béyala et mentionnés par Madeleine Borgomano. La jolie Calite dans François, la belle ensuite Edmond, que je n'ai pas envie de répéter, dans Lire, la gazelle de la brousse dans Nouvel Observateur. On a du mal à imaginer ce genre de titre explicitement raciste et sexiste en France pour parler d'autres auteurs que ceux, ou surtout celles, d'origine africaine. Les paratextes béyaliens sont donc strictement liés aux accusations de plagiat, et les passages qui se trouvent dans le texte même font également le lien entre les paratextes et les vécus réels de l'écrivaine, comme le démontre encore le passage suivant de La petite fille du réverbère. Donc je cite le roman. L'histoire de sa petite fille bâtarde, abandonnée par sa mère, qui deviendrait une romancière et dont les impropriétés rhétoriques tresseraient les cheveux des papes de la littérature française. Fin de citation. Et l'allusion à cette expérience est encore plus explicite dans la citation suivante, tirée donc du même roman, La petite fille du réverbère. « Ce tic de langage me reviendra encore. Pardon, monsieur, oui, monsieur. Lorsque 20 ans plus tard, ceux qui s'attablent avec monsieur Rienne Boussalir dans la maison de Verlaine me prendront pour cible en dégustant leur salade de chèvre. Salope, plagiaire, pardon, monsieur, oui, monsieur. Pardon, monsieur, oui, monsieur. Lorsqu'ils considéreront que j'ai la cervelle à peine plus longue qu'une jupe courte. Pardon, monsieur, oui, monsieur. » Fin de citation. La référence à Pierre Assouline, donc monsieur Rienne Boussalir, le rédacteur en chef du magazine Lire, qu'il a accusé de plagiat dans son article paru en 1997, est également faite de manière plutôt drôlatique et tragicomique. Par ailleurs, le lien entre sa position de dominée
en classe subordonnée, et son genre supérieur, selon la pensée patriarcale verticale, forme de la sorte un ensemble discriminatoire intersectionnel composé de la classe et du genre. Et en guise de conclusion, je pose la question suivante. Que pouvons-nous faire, nous, communauté littéraire et universitaire, pour changer la politique discriminatoire que subissent les auteurs d'origine africaine? Et à mon sens, la réponse se trouve dans la remise en question des institutions littéraires imprégnées par l'histoire eurocentrique et patriarcale. Il est impératif de dénoncer ces structures qui légitiment et maintiennent des formes inacceptables d'inégalité. Cette dénonciation ne doit pas incomber uniquement, tel que Beyala, mais également aux chercheurs et chercheuses universitaires afin de rendre les traitements différentialistes et racialisés plus visibles, plus ouvertement discutés et critiqués, de sorte que le racisme et le sexisme néocoloniaux ne puissent plus passer totalement inaperçus. C'est notre devoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kayou Arinen, pour cette défense à partir des textes, des publications de Calix Beyala et du paratexte, à partir duquel on a quelques frémissements, n'est-ce pas, professeur Baïda, pour la gazelle de la Beauce et autres gentillesses. Un peu de respect, messieurs. Vous avez parlé des instances de légitimation qui sont en Occident. Et c'est avec beaucoup de respect que nous nous adressons à tous ceux qui parlent de littérature, qui parlent des sociétés et qui racontent ou rapportent ce que la littérature peut en donner à la fois comme image, comme possibilité de réflexion et aussi d'effusion et aussi de passerelle, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire le passeur, de cette logique de passage que vous avez signalée, Jean-Pierre Orban, en disant que vous vous mettiez dans la peau des mariniers pour faire en sorte que les traversées de nos rives se passent le mieux possible. Nous souhaitons donc, à partir de cette relecture d'un certain nombre de mots, M-A-U-X, et d'un certain nombre de mots, MOTS, nous puissions reconstruire à partir d'ici, par exemple, on ne va pas se cacher, d'autres instances de confirmation, pas de légitimation, simplement de confirmation que nous sommes bien là, présents sur la scène de l'histoire et que nos lettres ont à se confronter à d'autres. Dans une philosophie que l'académicien Pierre Brunel a esquissé en disant son regret qu'il n'y ait point un mot qui soit collé à la chaire de littérature et des arts africains, c'est un mot qui n'est pas honteux, cher académicien, vous qui êtes un spécialiste de Rimbaud, un spécialiste de Senghor, un spécialiste de Malraux, le mot comparatiste n'est pas un mot honteux, bien au contraire. Ce que nous avons fait ici, c'est de refléter les littératures, mais aussi de refléter les mondes qui les portent, et aussi de faire en sorte que de l'Afrique du Sud, où il y a une revue comparatiste recensée par votre excellente revue, qui a un siècle d'existence, si je ne m'abuse, Pierre Brunel, qui a un siècle d'existence, et quand on fête un centenaire, on est heureux. Et on a même fêté plusieurs centenaires, parce qu'on a vu apparaître El Hadj Omar Tall un peu partout, plus de 150 ans après sa mort. Ça veut dire que l'esprit survit, ça veut dire que les registres littéraires portent cet esprit, ces imaginaires, pour qu'il ne soit pas d'hier, qu'il soit d'aujourd'hui, et que lorsque nous avons à les transmettre, que ce soit avec une valeur ajoutée, c'est précisément ce que Yambo Ologem ou Calix Beyala ont essayé de faire et nous les en remercions en associant ici notre autre référence, Simone Schwarzbart,
qui vient de Guadeloupe, qui a dû faire un très long voyage pour témoigner, pour transmettre aussi. Merci beaucoup, Simone, pour ce que vous nous avez apporté et pour ce que vous continuerez à donner, parce que je vous sais très malheureuse, parce qu'André n'est pas là, et vous ne songez qu'au moment où vous vous retrouverez, mais on vous le souhaite le plus longtemps possible. Mais vous savez bien qu'il est avec nous et qu'il n'est point besoin d'aller le retrouver puisqu'il est là. Merci beaucoup. Et on va finir, j'allais dire en beauté, mais on a déjà eu l'esquisse, voire même l'esthétique de ce que nous proposons aux uns et aux autres. Nous aurons un témoignage par Ambaïbé. Je le prononce en dogon. Ambaïbé, le micro est le tien. Tu diras ce que tu veux. Tu diras tout ce que tu veux et surtout, tu parleras des songes. Comment? Oui, c'est Ambaïbé, c'est le prénom. Welogem, Ambaïbé. Ambaïbé, le micro est à toi. D'accord. Je crois que c'est fait. Alors, merci. Merci pour ceux qui sont encore là, puisque je vois que d'autres sont déjà partis. Et je remercie le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc et pour cette belle initiative, une chaire sur les littératures et les arts africains. Tout d'abord, Yambo, ça veut dire tout simplement « ne trie pas ». Ne fais pas les tri. Il ne faut pas dire qu'un arabe vaut mieux qu'un noir, ou bien noir vaut mieux qu'un blanc, etc. Donc nous sommes tous des êtres humains. C'est ça le sens même de Yambo. Alors moi, c'est Ambibé. Et je prononce très bien mon nom quand je suis avec les Dogons. C'est Ambaïbé, ça veut dire l'amour de Dieu. Voilà, chez nous les Dogons. Alors, pour venir un peu à ce que Jean-Pierre Orban et Sarah disaient, mon père disait que toute œuvre, qu'elle soit celle d'un littéraire ou d'un cinéaste, est intéressante à partir du moment où elle porte à contestation. Mais il ne disait pas cela parce que son livre est contesté. Ce n'est pas pour dire que Le devoir de violence est intéressant. Mais... En fait, il le disait quand même. Et il y a un de ses collègues avec qui il a fait l'école, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de lui, Aliou Blondine Bey. D'accord. Donc, il est mort dans un accident d'avion. Il faisait partie de... Il était un diplomate. Donc, ils étaient dans la même... Ils sont des promotionnaires. Donc, quand mon père lui avait une fois surpris, ils étaient tous étudiants à Paris, mon père lui a une fois surpris en train d'assimiler, ben, c'est ça non, les mots du dictionnaire, de bûcher. Quand lui, il l'a surpris, il était... Non, les retenir dans la tête. Voilà. C'est assimilé. Hein? Voilà, il essaie de les retenir. Et quand il l'a surpris, il était déjà à la lettre D. C'était la nuit, en pleine nuit, quand lui est sorti par hasard, il l'a surpris. Et quand il a vu ça, il a eu peur. Parce qu'il a su que, bon, ici, c'est vraiment du sérieux à l'époque. Donc, immédiatement le matin, il a envoyé une lettre à son père, lui demandant aussi de lui envoyer un dictionnaire. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, papa, tu as retenu tous les mots du gros dictionnaire là. Et directement, il a dit, il a appelé ma maman à dire, bon, voici ton fils qui est en train de dire que bon, son père a une grosse tête. Bon, parce que moi, j'ai dit un gros dictionnaire et lui, il a compris grosse tête. Bon, c'était une façon de nous amuser à la maison. Alors, pour revenir un peu à M. Jean-Pierre Orban,
Donc, mon père a quand même un peu parlé de cela. Je vais essayer de vous le lire. Bon, je commence à lire. Donc là, il parle de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé avec son histoire de devoir de violence. Donc, il s'agit d'accusations concrètes à réfuter avec des faits concrets. Il s'agit bien, en ce qui concerne l'éditeur des devoirs de violence, de points de fait et de points de droit. Ces points, selon le code pénal, s'appellent les dols. Donc, les dols, c'est des manœuvres frauduleuses destinées à couvrir l'escroquerie. Puisque ce dol a été mené sur une hypothèse et dans un but déterminé avec un prétexte à la clé. L'hypothèse, c'était la croyance à ma soumission totale. Le but, c'était l'argent et le prétexte, c'était le plagiat. Ce qui frappe dans toute cette affaire, c'est l'imprudente témérité de l'éditeur du devoir de violence. Vous me permettez de l'appeler ainsi au lieu de le désigner par son nom. Mais moi, je dis son nom, hein, c'est l'éditeur du Seuil. Bon, lui, il dit qu'il ne faut pas... C'est Jean-Pierre Orban doit connaître son propre nom. Bon, c'est qu'il s'agit de l'éditeur du Seuil, car il ne s'agit pas pour moi de diffamer qui que ce soit. La radio et la presse internationale, parce que c'est eux qui ont quand même... jouer un grand rôle dans toute cette histoire. La radio et la presse internationale m'ont traité de plagiaire. Il est bon de poser les fonds d'un problème inconnu du public. J'explique de quoi il s'agit. Cela est un devoir élémentaire. Première étape, je remets mon manuscrit à l'éditeur du devoir de violence qui aussitôt comprend qu'il tient là un livre avec lequel il peut gagner de l'argent. La preuve, c'est que l'éditeur retarde la date de la publication de mon roman. Vous l'avez souligné, la dame aussi. Donc, ce serait bien si elle était, si elle était venue. Donc là, ça allait être mieux, quoi. Donc, cet éditeur a retardé la date de la publication de mon roman et attend l'automne pour lancer dans la course au Grand Prix littéraire. Deuxième étape, j'ai dit que l'éditeur avait flairé la bonne affaire financière pour que cette affaire soit excellente. Comment se débrouiller pour en tirer le plus grand profit et en gardant au besoin et à mon détriment mes droits d'auteur? Voici la solution trouvée par l'éditeur. L'éditeur a donc purement et simplement rayé les références et ôté les guillemets au moment de la fabrication de mon livre. J'ai bien entendu protester parce qu'il n'a pas mis sa photo dans la première publication. Vous verrez, généralement, quand le livre apparaît, l'auteur met sa photo et puis il fait le service de presse. Mon père n'a pas fait cela. Ça veut dire qu'il a contesté parce que les guillemets et les citations qu'il a empruntées chez les autres, il a quand même essayé de les mettre. Bon, chose que son éditeur a ôté, j'ai bien entendu protester. Et voici les conséquences pratiques de ces injustements. Si je réclame mon argent, il peut dire « Vous avez plagié les auteurs dont les textes sont cités sans guillemets par vous. » Moralité, si vous restez tranquille, vous vous contentez de ce que je vous donne, je ne dirai rien. Mais si vous ne voulez pas vous contenter de ce que je consens à vous donner, je vous ferai traiter de plagiaire. Mon éditeur me doit donc des millions. Comment éviter de les payer? Il décrète par personne interposée que j'ai plagié. Il fait du tapage dans la presse et à la BBC. Il donne l'ordre de détruire à travers le monde entier mes livres, puisque c'est un livre plagié. Et ensuite, il me dit, voilà, dans tel pays, j'ai perdu
tant de millions, puisque ton livre est retiré dans le monde entier. Dans tel autre pays, j'ai perdu tant de millions. Je vais les déduire de vos droits, et autrement dit, au lieu des millions qu'il me doit, il me donnera pratiquement rien du tout. Alors, le jour où il a reçu son prix, son éditeur lui dit, c'est extraordinaire. Avez-vous l'idée de votre grandeur? Vous savez, si je vous regarde, je ne vous vois pas comme un noir. Ça a bien choqué mon papa. Dire du noir qu'il n'était pas et penser que c'est un compliment pour lui, comme si le miroir était fait pour les aveugles. Donc, maintenant, et en ce qui concerne le livre Le Devoir de violence, comme beaucoup l'ont lu, il dit, quand j'en suis arrivé à la période moderne dans Le Devoir de violence, on voit la violence non pas comme une espèce de chevalier caracolant à cheval avec un large cimeterre ou un sabre, mais on voit davantage quelque chose qui serait une espèce de film à la James Bond. Dans ces conditions, il faut se référer aux auteurs qui sont présentatifs de la violence du siècle auquel on vit ou qu'ils sont les spécialistes de l'Afrique que l'on veut approcher. Il rajoute que la rédaction du Devoir de violence, ça m'a pris 4 ans. 2 ans de recherche. Donc, il raconte aussi la technique. Il dit, c'est une technique qui, effectivement, consiste à expliquer pourquoi et comment, dans tous ces brassages d'un continent en devenir, il faut mettre en scène divers personnages, diverses déclarations, afin que cette image soit le reflet comme un miroir des impressions contradictoires qui viennent faire impact sur une réalité afin précisément que ceci soit l'histoire. Si vous n'avez pas compris, je peux reprendre. Comme c'est long. D'accord. Bon, là, je viens là où il parle un peu de comment est-ce que certains blancs voient les noirs. Il dit, pour le blanc un peu tendancieux, un noir, c'est un phallus ambulant, c'est très fort, hein, qui est heureux de manger, de dormir et de s'amuser. Aucune moralité, aucune ceci, aucune cela. Et là, quand il parle de la sexualité aussi, il dit, la sexualité est le domaine viscéral et irrationnel dans lequel l'individu manifeste son côté non officiel, son côté véritable. Un proverbe arabe qui dit, pour connaître un homme, découvre ses plaisirs et tu feras de lui ton ami ou ton complice. C'était un peu ça, j'ai écrit ça avec... Avec un bic maintenant, et on va un peu en parler. Je vais un peu sortir du domaine de la littérature et autres, et vous parler un peu de comment est-ce qu'il vivait. Alors, et de son retour de la France, en 1978, définitivement, quand il est rentré de la France, il était empoisonné. On lui a envoyé chez lui juste pour mourir. En fait, c'était ça l'objectif. Parce que lui-même, il le disait qu'un blanc ne peut pas supporter que c'est un noir qui a pu réaliser ou faire ceci ou cela. C'était insupportable pour eux. Et il y en a aussi qui racontent à leurs enfants que quand ils viennent en Afrique, les gens vivent sur des arbres, etc. Et qu'on mange des humains. J'en ai entendu des propos, je ne sais pas si c'est vrai, puisque je ne suis pas un enfant blanc, pour que mes parents me les racontent. Donc, c'est quand même très grave.
Alors quand il est arrivé, il ne pouvait même pas marcher. Il fallait deux personnes pour le tenir debout, tous les corps enflés. De son retour, il est parti en pays de Gond, où il a passé 2 ans sous traitement. Et grâce à mon grand-père, Boukari, peut-être hier vous avez vu la photo, qui est connaisseur des plantes traditionnelles ou autres, qu'il a quand même soigné pendant 2 ans. Alors, cet homme qui a vécu toutes ces expériences, ne soyez pas surpris quand il dit qu'il ne veut pas que ses enfants aillent à l'école. Il ne voulait pas qu'on soit des francophones ou bien qu'on ait cette manière de voir comme la civilisation blanche. Il voulait qu'on soit des marabouts, simplement. Qu'on s'intéresse à l'écriture et au Coran, l'écriture arabe, comme lui-même, il est plus tard devenu un passionné de l'écriture arabe. Et notre maison est remplie de ces livres anciens qu'il faisait tout pour les avoir. Il déboursait des sommes extraordinaires pour les livres arabes. À chaque fois qu'il en avait la possibilité de les avoir, ben, s'il apprenait que bon, tel grand marabout est décédé, il se rendait chez eux, voilà, et puis il proposait à ceux qui, s'ils n'ont pas besoin de ces livres, ils peuvent les vendre à lui. Donc il les achetait comme ça, puisqu'il croyait à la religion musulmane, et il voulait savoir aussi. Il voulait savoir d'où cette envie d'essayer toujours d'en savoir un peu plus. Et quand il avait de nouveaux textes ou de nouvelles connaissances sur la religion, il passait chez les imams du quartier, les plus réputés, pour essayer d'en discuter, pour qu'il n'y ait pas de failles dans sa pratique religieuse. Alors, je ne sais pas ce que je dois ajouter encore. D'accord, donc là je vais conclure. Puisque j'ai choisi les mots que je dois dire pour ne pas pleurer devant vous quand même, voilà. Puisque c'est interdit chez nous, voilà, même si ça... J'ai quand même choisi les mots qu'il faut utiliser pour que... Voilà, mais c'est quand même un plaisir. Je suis très heureux d'être ici. Et je remercie les autorités de la transition qui ont initié pour la première fois dans son propre pays que le gouvernement du Mali initie un prix en Bourguignon. C'est à saluer quand même, même si c'est un peu trop tard. Mais c'est une manière de les réhabiliter. Donc merci à tous pour ces efforts, pour ce travail. Il y en a qui font ça depuis plus de 20 ans. Moi qui en ai 30 et plus cher. Donc je viens de rentrer dans la course. Et j'ai besoin de soutien et de votre disponibilité pour tenir ce combat-là. Je vous remercie. A standing ovation for Mr. Mbaïbé Ologem. Eh bien, toutes les bonnes choses ayant une fin, vous pouvez vous rasseoir. Je voudrais remercier au nom du secrétaire perpétuel, le professeur Abdeljalil Lajomri, de nous avoir réunis ici pour parler des littératures au pluriel et des arts au pluriel de cette Afrique multiple et qui a à converser avec elle-même, sans oublier le monde, sans oublier ses amis avec lesquels elle est déjà depuis fort longtemps en conversation, vous le savez,
cher Pierre Brunel, vous le savez, Son Altesse Sérénissime, le prince Mbombo Njoya, venu du Cameroun. Vous le savez, professeur Sissao, qui venait du Burkina Faso. Vous le savez, cher délégué général, les 72 heures du livre, vous êtes chez vous. Vous le savez, chère grande dame Simone Schwarzbart, vous êtes double, vous êtes même triple, vous êtes multiple. Et à côté de vous, il y a, bien sûr, la grande sœur des littératures et des lettres, Calix Béala. Nous allons finir avec une grande voix. Et bien entendu, on ne peut pas oublier dans ces remerciements la dame qui a été aux manettes, Dr Rabia Marouche. Je demande vos applaudissements pour elle, qui a réuni un panel exceptionnel en très peu de temps, même pas un mois. Merci au professeur Bachir. Il est parti, Bachir, mais il sait que dans cette salle, on le réclame et il aurait mérité lui aussi des applaudissements. Bachir, ta mère, merci beaucoup. Et on va enfin écouter cette voix venue d'Afrique du Sud et qui s'est arrêtée un instant, un moment, à Dalaba, en Guinée-Conakry.